Que la grâce de Dieu soit votre partage, maximum de partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons assainir ces temps et nous proclamons que le Saint-Esprit nous donne accès à pouvoir nous asseoir sur la table du Seigneur afin de déguster le repas qu'il a pour nous ce soir. Que Dieu vous bénisse déjà de partout là où vous êtes, de partout où vous êtes en train de partager ce live. Voilà, tel que vous constatez, nous venons à peine de commencer, nous venons à peine de lancer. Et vous pouvez faire un maximum de partage où vous êtes, un maximum de partage. Pendant que vous êtes en train de partager ce lien, ce live à des personnes susceptibles d'être touchées par bien-aimés de le Seigneur, ce live, que la grâce de Dieu aussi soit de même votre partage. Je pensais que vous deviez le faire, vous deviez le faire. Nous sommes dans une atmosphère de prière. Je vois des personnes qui sont sur TikTok. Je vais vous demander de tapoter l'écran. Vous êtes sur TikTok, sur le compte de l'évangéliste Wad. Merci de tapoter l'écran. Voilà, vous êtes sur ma page Facebook, Prophète Emmanuel Djoma. Maximum de partage, maximum de partage. Nous le faisons tous ensemble. Je vois déjà la famille ici, Guy Guedes qui est connecté. Je vois la famille Cressus, tout court, qui est connecté. Je vois la famille Jessica Fallon qui est connectée. Je vois la famille Ayomp qui est connectée. Je vois la famille Lorraine qui est connectée. Je vois la famille Cretus qui est connectée. Je vois aussi sur TikTok. Je vois la famille Marie Scandon qui est connectée. Je vois plusieurs familles. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont connectées. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont connectées. Je vois la famille Francisca Kairos qui est connectée. Voilà, maximum de partage, maximum de partage, maximum de partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de partager, de partout où vous êtes connectés. Que la puissance de Dieu soit votre partage, que la puissance de Dieu soit votre partage, que la puissance de Dieu soit votre partage. Maximum de partage là où vous êtes, maximum de partage où vous êtes connectés ce soir. Voilà, je vois la famille Moïse Emmanuel, je vois la famille EMJ, je vois la famille sur Facebook Wilfried Niakale, je vois la famille Prudence. Que Dieu bénisse, voilà, toutes les familles qui sont connectées ici. Je vois la famille Lorraine Badouna, je vois la famille, voilà. Vous pouvez me dire aussi d'où vous me suivez, dans quel pays vous êtes connecté, dans quel pays vous me recevez ce soir. Voilà, nous continuons les partages, nous continuons les partages. Nous devons dépasser les plus de 3000 à 4000 partages ce soir. Maximum de partages pendant que vous êtes en train de le faire. Que la grâce de Dieu aussi soit votre partage de là où vous êtes. Maximum de partage, maximum de partage. Voilà, je vois ici Judith, ma fille, sois bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je vois encore ici des personnes sur TikTok. Vous êtes sur TikTok, merci de tapoter l'écran, merci de tapoter l'écran. Merci de tapoter l'écran, voilà, tapoter l'écran. Voilà, je vois la famille Soro qui est connectée. Je vois la famille Yasmine Ntsam qui est connectée. Je vois la famille, voilà, depuis le Gabon, Yasmine Ntsam. Je vois la famille Priska Medza Ondo qui est connectée. Je vois la famille Jeanne Ngabi qui est connectée. Voilà, pendant que vous êtes en train de partager, je proclame la grâce, la faveur de Dieu. Dans cette atmosphère, je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De partout où vous êtes connectés, si vous êtes malade, peu importe le problème, peu importe la situation à laquelle vous faites face, que le Dieu qui n'a pas changé fasse des choses extraordinaires. Alors, si vous voulez que cela puisse toucher des milliers de personnes, vous n'aurez qu'à faire une chose. J'aimerais que tout le monde, pendant que vous êtes en train de me suivre maintenant, vous partez au bas de votre écran, à la notification partagée. Partagez à des milliers de personnes, partagez à vos bien-aimés, partagez à tout le monde, maximum de partage. Il nous reste quelques minutes pour partager et nous allons rentrer dans des choses sérieuses ce soir. Voilà, je vois déjà la famille Mariska ici qui a partagé. Je vois la famille Chou sur TikTok qui a partagé. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse tous. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui se connectent à ce live. Assurément, tu es malade. Assurément, tu as un problème. Peu importe la situation par laquelle tu passes, parce que tu as répondu présent à ce programme, je décrète et je déclare que Dieu se souvienne aussi de toi, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Voilà, maximum de partage. Seigneur, merci de toucher les malades, merci de restaurer les cœurs, merci de guérir les cœurs brisés. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir les malades. Il m'a oint pour proclamer une année de grâce. Je décrète et je prophétise ce soir. Pendant que vous êtes en train de vous connecter, nous commençons à peine une minute. Pendant que vous vous connectez, que la grâce de Dieu soit votre partage dans vos vies et celle de vos familles. Vous connaissez une personne qui est malade. Vous connaissez une personne qui a un problème.
une personne susceptible d'être touchée et visitée par la puissance de Dieu. N'hésitez pas à identifier cette personne. N'hésitez pas à taguer ces milliers de personnes. Faisons-le tous ensemble. Que Dieu bénisse la famille Gaël Pemba. Dieu bénisse la famille Rose Vanessa Ponjo. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, je nous vois partager encore. Voilà, il nous reste quelques minutes encore pour partager. Quelques minutes encore pour partager. Quelques minutes encore pour partager. Pendant que nous sommes en train de le faire, je peux vous rassurer. Vous qui êtes sur TikTok, tapotez l'écran. Vous m'avez manqué. Ça fait plus d'un mois, on avait pu interagir ensemble. Et ce soir, nous allons interagir via TikTok pour ceux qui sont sur TikTok. Via Facebook pour ceux qui sont sur Facebook. Et que la grâce de Dieu puisse abonder dans votre vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous partageons, nous partageons. Nous sommes à combien de partages? On n'a pas encore dépassé les 1000 partages. Partageons au maximum. Partageons au maximum. Aravaradish. Nahadadi, Nahadadish. Pelehas Lopehas. Nerova il Nedaya. Geria la Vasodeya. Peliva la Stenema Rofe. Milaha Sanama Dradeve de Gaia. Que Dieu bénisse la famille Trissa Ikanga. Que Dieu bénisse Emmanuel Moïse. Que Dieu bénisse Ruth Darley. Que Dieu bénisse Tsakayuka Huguette. Voilà, Madame Tsakayuka Huguette. Pendant que je viens de voir votre nom, restez là, restez connectés. Il y a un message prophétique que j'ai vu défiler dans mon esprit comme ça. Pendant que j'ai vu la dame Tsakayuka Huguette. Je vois aussi Jessica Otongo Bila. Je vois Jessica Otongo Bila. Voilà, restez connectés. Il y a un message aussi pour vous. Voilà, je vois qui d'autre encore ici? Je vois Anne Bizarre. Anne Bizarre, il y a un message prophétique aussi pour vous. Il y a un message pour Arnold. Arnold, Arnold, il y a un message pour toi. Il y a un message pour Jeanne Ngabi et ses enfants. Il y a un message pour une personne aussi qui est sur TikTok. Il y a un message pour des milliers de personnes qui me suivent. Voilà, je vous demande d'appuyer sur les cœurs. Nous avons été restreints sur toutes nos plateformes. Voilà, restreint. La page devait même disparaître sur Facebook. Voilà, vous savez que quiconque vit pieusement Jésus sera persécuté. Donc, notre page a été restreinte pour un temps et ne passait plus. Voilà, tout était en rouge parce qu'il y a des personnes très mal intentionnées qui ont dû signaler la page. Donc, je vous demande d'appuyer sur des cœurs et de partager afin que des personnes de mauvaises intentions qui sont souvent envoyées pour pouvoir distraire les enfants de Dieu en signalant les pages, ne puissent pas avoir, bien aimé de le Seigneur, gain de cause ce soir. Merci déjà de parce que vous êtes en train de partager encore davantage. Merci pour vos partages qui sont en train, bien aimé, de toucher des milliers de personnes. Voilà. Sur TikTok, nous sommes en train de grimper. Je veux que nous grimpons sur Facebook aussi. Deux minutes que nous commençons ce live. Quick, quick. Voilà. Mettez les cœurs et partagez. Mettez les cœurs et partagez. Ne mettez pas les cœurs en commentaire. Mettez les cœurs. Prenez votre doigt. Faites-le de manière manuelle. Voilà. Prenez votre doigt et appuyez là où il y a des cœurs. Appuyez là où il y a des cœurs. Vous qui êtes sur TikTok, veuillez tapoter votre écran. Tapotez l'écran, vous qui êtes sur TikTok. Voilà. Merci déjà aux centaines de familles qui sont sur TikTok. Voilà. Vous qui êtes sur Facebook, veuillez appuyer sur l'option cœur. Voilà, veuillez appuyer sur des cœurs, veuillez appuyer sur des cœurs. Oh mon Dieu, l'atmosphère est bonne ce soir. Voilà, l'atmosphère est bonne ce soir. Il nous reste moins d'une minute, moins de trois minutes pour commencer. Moins de trois minutes pour commencer, moins de trois minutes pour commencer. Merci avec les cœurs, merci avec des cœurs, merci avec des partages, merci avec des cœurs, merci avec des partages, merci pour les cœurs, merci pour les partages. Voilà, appuyez sur des cœurs, sur des cœurs, sur des cœurs. Ceux qui veulent être localisés ce soir, appuyez sur des cœurs, appuyez sur des cœurs. Pendant que tu es en train de le faire, tu protèges le live. Et voilà, tu appuies sur des cœurs. En même temps, nous croyons que d'autres personnes sont en train aussi de partager. Vous qui êtes sur TikTok, faisons-le tous ensemble, faisons-le tous ensemble, faisons-le tous ensemble. Je vais prier ce soir. Père, au nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth, toi le Dieu... maître des temps et des circonstances, le Dieu prééminent, toi le Elohim, toi qui n'as pas été créé, toi qui as vu la création de toutes choses. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans le livre de Jean chapitre 1, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Seigneur, merci parce que tu es la parole dès le commencement et tu es la parole qui restera éternellement. Nous venons par ta parole faite chair,
qui est Jésus-Christ de Nazareth, continuer l'œuvre de la croix, la mission. Parce que Seigneur Père, ta parole a dit, je vous envoie de partout dans le monde, faites des nations des disciples. Seigneur, nous venons sur la base de ta parole, afin d'aller dans des nations virtuelles ce soir, afin d'aller dans des nations de TikTok ce soir, afin d'aller dans des nations par Facebook ce soir, afin que les cœurs, même les plus incrédules, soient touchés et soient visités par ta puissance. Merci de ce que nous croyons que ta main est déjà tendue pour accomplir et réaliser des grandes choses. Seigneur Père, merci pour ta puissance, merci pour tout ce que tu es sur le point de faire, merci pour tout ce que tu es sur le point de produire ce soir. Je viens aussi avec ta parole qui dit en Marc chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les miracles nous accompagnent ce soir sur la base de notre foi. Seigneur, que la personne qui croit que sa maladie peut la quitter, Seigneur Père, qu'elle puisse vivre ce miracle. Que la personne qui croit qu'au sortir d'ici, Seigneur, tu peux transformer miraculeusement sa vie, qu'elle voie cela arriver dans sa vie. Que la personne qui croit qu'au sortir d'ici, sa vie financière sera restaurée. Je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'il en sera ainsi. Qu'il en sera ainsi par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour la foi. Merci pour la foi. J'aimerais que nous prions tous là où nous sommes ce soir. J'aimerais que tu pries là où tu es ce soir. Retire-toi dans une pièce et prie, déclare des paroles. Pala asona, nenemahazika. Waouh, Seigneur, merci pour la vie de Laurence Mbouandoudi. Merci pour la vie de Piro Rodrigue. Merci pour la vie de Just Bayel. Merci pour la vie de Vanessa. Aïe, 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 aïe. Samama mayante. Rebebe, sobe, sobe nahai. Pera, rovarade. Merci pour la vie de Serena Dalem. Merci pour la vie de Anne Bissa. Merci pour la vie de Adrila Doctrina. Merci pour la vie de Nicole Ongoza. Merci pour la vie de Ozo. Merci pour la vie de Jeanne Gabi. Merci Seigneur Père pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Je décrète et je prophétise ce soir, par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth, de partout où tu es en train de partager ce live, que la gloire et la puissance de Dieu soit relâchée afin de produire des grandes choses, produire des miracles, produire des libérations, produire des choses extraordinaires. Voilà, nous partageons au maximum. Nous partageons au maximum encore, nous partageons au maximum encore. Voilà, vous êtes sur TikTok, tapotez sur l'écran, tapotez sur l'écran. Il nous reste une minute et nous démarrons ce soir. Une minute et nous démarrons ce soir. Pendant ces une minute, j'aimerais déclarer comme prophète au nom de Jésus-Christ Nazareth, peu importe le problème qui t'amène ici, peu importe la situation qui te conduit ici, je prophétise au nom de Jésus que tu sois visité par la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu soit ton partage, que tu sois visité dans tout domaine de ta vie, que tu sois visité dans tes affaires et que tu sois visité dans tes entreprises par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth. Ainsi j'ai prié, nous disons Amen. Amen, 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 Amen. Voilà, est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que la connexion passe merveilleusement bien? Voilà, si c'est le cas, faites-moi signe. Si la connexion passe 5 sur 5, faites-moi signe. Si la connexion passe 5 sur 5, faites-moi signe. Voilà, voilà, voilà. Si la connexion passe 5 sur 5, vous êtes sur Facebook, faites-moi signe. Voilà, sinon je vais demander à mon fils de pouvoir rabattre un peu voilà, les fenêtres. Vous savez qu'actuellement au Gabon, il y a un problème de fibre optique, il y a un problème de connexion, donc c'est difficile de mettre ou encore de nous recevoir dans certains quartiers parce qu'il y a, des gros soucis au niveau de la connexion, mais par la grâce de Dieu, nous sommes, voilà, nous croyons que le Saint-Esprit a déjà pris le contrôle afin que tout se passe bien ce soir. Voilà, que Dieu vous bénisse. Tel que je vous l'avais dit hier, ce soir, nous devions nous retrouver pour la suite, bien-aimé dans le Seigneur, de la pensée prophétique que j'ai recevée hier. Et depuis plus d'un mois, bien-aimé dans le Seigneur, il faut dire qu'on a pu interagir ensemble. Et ce, pour des raisons de travail. Vous savez, depuis un mois, je reçois des personnes sur Libreville. Je reçois des milliers, des centaines de personnes, il faut dire. Et je crois, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque Dieu donne une charge à un prophète de recevoir le monde, de recevoir des personnes de partout là où ils sont, c'est parce qu'il y a un très, 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 très grand besoin.
Voilà. Je ne sais pas tout pourquoi ça ne passe pas bien chez moi. Voilà, je crois que ça passe. Voilà, je crois que ça passe. Je vais encore demander à mon fils de rabattre, voilà, au niveau des portes centrales. Parce que ce sont des problèmes de connexion. Voilà, je crois que ça va passer merveilleusement bien ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, ce soir, je vais prier pour des personnes qui ont des dossiers professionnels posés dans des sociétés. On ne vous a pas encore fait appel. Ce soir, je vais prier aussi pour les situations difficiles, les situations complexes auxquelles vous faites face. Est-ce que nous pouvons toujours partager sur, voilà, sur Facebook? Je vais commencer à un certain nombre assez important. Même si nous avons été restreints, si nous partageons, voilà, la restriction n'aura pas de force. Donc, merci d'appuyer sur des cœurs et merci de partager au maximum. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, que je travaille beaucoup. Et le travail que je fais, il est très remarquable au niveau du Gabon. Nous travaillons sur le plan spirituel, mais nous travaillons aussi, bien aimé dans le Seigneur, sur le plan physique. Comme je vous disais, depuis un mois, je reçois des milliers de personnes qui passent pour des réceptions, et ce, gratuitement. Et il faut aussi dire que sur le plan spirituel, nous prions pour notre pays, en marge de ce qui est arrivé dans le pays. Vous savez, nous avons besoin, bien aimé, de le Seigneur, des intercesseurs, des hommes et des femmes qui fléchissent des pieds, qui fléchissent plutôt les genoux pour les autorités, qui prient afin que Dieu, bien aimé, de le Seigneur, révèle sa gloire, que Dieu se manifeste. Car vous savez que l'œuvre excellente que Dieu a commencé par ses mains, lui seul peut la parachever jusqu'au bout. Et nous sommes ici pour prier, en fait, de demander à Dieu de parachever le travail de délivrance qu'il exécute dans nos nations, le travail de délivrance qu'il exécute dans nos familles. Et là où vous êtes, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire, le Seigneur a pensé à vous ce soir. Il m'a envoyé ici comme prophète, afin aussi que toi, là où tu es, avec ta foi, nous puissions joindre nos foies, afin de demander quelque chose à Dieu, afin qu'il y ait des miracles extraordinaires. Bien aimé, avant de commencer, nous allons ouvrir rapidement nos Bibles. Je vais prendre ce passage comme étant un verset d'appui. Nous allons ouvrir rapidement nos Bibles dans le livre des Deux Rois, le chapitre 4, je crois, à partir du verset 39. Et deuxièmement, Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 24. Je ne sais pas d'où tu me suis, mais pendant que tu es en train de partager, j'aimerais te dire que ce soir, le Seigneur a quelque chose de grand et de merveilleux pour toi. Je vois des personnes me suivre sur TikTok. Je vous demande de tapoter sur l'écran. Je vois aussi des personnes me suivre sur Facebook. Maximum de partages, maximum de partage, voilà, demandez aux techniciens Joey de partager dans tous nos groupes. Ce soir, ça n'arrive pas toujours. Je crois qu'il y a des personnes qui font face à des situations et Dieu a besoin de toucher des milliers de personnes. Voilà. Est-ce que nous pouvons tous ouvrir nos Bibles? Mon Dieu, je vois ici là ce nom-là, Takayuka. Takayuka, il faut vraiment rester connecté. Je vais noter ça parce que après, je vais démarrer directement avec vous. Madame Takayuka, je vais démarrer directement avec vous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci pour les partages. Merci pour les partages. Appuyons sur des cœurs, sur des cœurs, sur des cœurs, sur des cœurs. Nous proclamons au nom de Jésus que toute main noire soit effondrée par la puissance de Dieu, soit brisée, soit repoussée, que toute main noire puisse sécher par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les personnes qui sont là avec les mauvaises intentions pour t'empêcher de recevoir ton miracle. Nous connaissons comment le proconsul a fini au temps de Paul. Nous connaissons comment, bien-aimé de le Seigneur, Aman a fini devant Mardoché. Et nous proclamons au nom de Jésus-Christ que Dieu envoie des anges en renfort pour sécuriser ce live, afin que ce live puisse être une bénédiction pour des milliers de personnes. Voilà, je suis avec mon fils, il va nous aider à faire la lecture. Deux Rois, le chapitre 4, à partir du verset 39. Merci. L'Inde sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage. Et il y cueillit des colinquintes sauvages. Plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux. Dans le pot où était le potage. Car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ses hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent. La mort est dans le pot. Homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Le thème de mon message ce soir est intitulé « Comment se délivrer de la mort dans le pot ?» La mort dans le pot peut être le symbole de la mort dans tes finances. La mort dans le pot peut être le symbole de la mort dans ta santé.
La mort dans le pot peut être le symbole de la mort dans tout aspect et dans tout domaine de ta vie. Il y a de cela quelques temps en arrière, tout allait bien. Tes finances prospéraient bien, tes affaires prospéraient bien. Tout ce que tu touchais avec tes mains prospérait bien. Mais après un temps, bien-aimé dans le Seigneur, tu as l'impression que tout ce que tu touches, c'est comme si ça ne te réussissait pas hier. C'est comme si tu n'avais pas de compétences. C'est comme si tu n'avais pas appris, fait d'école dans ce domaine. Tout ce que tu fais depuis un temps est en train de connaître l'échec. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, il y a des clés que le ciel veut te donner. Il y a des secrets que le ciel veut te donner pour te délivrer de la mort. Il y a des personnes qui me suivent ici, bien-aimés dans le Seigneur. Elles sont victimes d'une mort spirituelle. Elles sont victimes d'une mort dans les domaines de leur vie. Elles sont victimes d'une mort, bien-aimés dans le Seigneur, à tous les niveaux. Tout ce que vous essayez de faire depuis que cette année a commencé est en train d'échouer devant vous. Tout ce que vous êtes en train de planifier est en train d'échouer devant vous. Parfois, vous pensez même que la malédiction a été créée dans votre maison. Parfois, il vous arrive de prier et de dire, Seigneur, pourquoi seulement nous? Pourquoi nous allons juste souffrir? Pourquoi seulement ma famille? Pourquoi ce malheur m'arrive, moi? Même, bien-aimé dans le Seigneur, le vaillant héros Gédéon, il a dit ceci à Dieu lorsque Dieu va lui dire, tu es un vaillant héros. Il va dire, si je suis un vaillant héros, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Pourquoi tous ces problèmes nous sont-ils arrivés? Vous savez, bien-aimés de le Seigneur, les douleurs ou encore les conséquences de nos souffrances peuvent parfois nous amener à mettre en doute la voix de Dieu. Peuvent parfois nous amener à mettre en doute la pensée prophétique de Dieu. Parfois, bien-aimés, les cicatrices des épreuves par lesquelles nous passons peuvent nous amener à ne plus croire à ce que Dieu veut faire et Dieu veut réaliser avec nous. Et parfois, ce sont ces douleurs, parfois ce sont ces échecs qui caractérisent la mort dans le pot. La Bible nous parle ici, évangéliste, bien-aimé dans le Seigneur, d'une famine qui va frapper dans un endroit appelé Samarie. Là, lui déclare la famine était tellement forte qu'à partir du verset, si j'ai bonne mémoire, à partir du chapitre 3 jusqu'au chapitre 6 même, on nous parle même des femmes qui faisaient la tontine pour manger leurs propres enfants. Tellement la famine frappait à Samarie que les femmes étaient obligées, bien-aimés, de s'organiser en tontine afin de manger leurs enfants pour vivre. Et la Bible déclare, il y avait aussi là un groupe de fils des prophètes qui étaient laissés par Élie le prophète qui était père spirituel d'Élisée. La Bible dit qu'après qu'Élisée va prendre le manteau qui était le symbole de la seconde portion, qui était le symbole de la double portion, la Bible déclare dans le chapitre 1, Élisée va frapper les eaux en deux et les eaux vont s'ouvrir, les eaux du Jourdain vont s'ouvrir. Voilà, Élisée va marcher, Élisée va commencer à réaliser certains miracles. Mais à partir du chapitre 4, Élisée va être confronté aussi à cette même famine qui avait frappé dans la Samarie. Au point où les personnes qui étaient avec lui appelaient fils des prophètes, les disciples qui marchaient avec lui, les disciples bien-aimés qui étaient chargés de pouvoir remplir certaines tâches sociales vont être impactés, bien-aimés, par cette crise économique certainement, cette crise alimentaire certainement. Mais ici, on précise qu'il s'agissait de la famine. La Bible déclare que les fils des prophètes vont s'approcher auprès d'Élisée et vont dire... Il y a la famine dans le pays et nous sommes en train de mourir de faim. Et Élisée va dire à son serviteur, prends un grand pot et fais cuire du potage et sers à ses hommes. Pendant que Élisée a donné cette instruction à son serviteur, la Bible déclare un autre parmi les fils des prophètes s'éleva et alla précipitamment dans un champ cueillir des colinquintes sauvages. Les colinquintes sauvages, ce sont des herbes, bien aimées dans le Seigneur, qui ne sont pas dans leur bonne croissance. Ce sont des herbes qui sont parfois semblables à du blé. Vous savez que c'est par le blé qu'on exploite la farine, c'est par le blé qu'on exploite toutes ces choses qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des levures et autres. Et les colinquintes sauvages sont parfois semblables. Les colinquintes sauvages sont comme du blé, mais ne sont pas de blé. Et la Bible déclare que le serviteur précipitamment va aller dans les champs et il va cueillir des colinquintes sauvages. En cueillissant des colinquintes sauvages, il va les découper en petits morceaux et va ranger son vêtement et va aller directement où le pot se trouvait. Il va prendre des colinquintes sauvages et va verser dans le pot. Parazaka.
La question qu'il faut se poser dans ce passage est de savoir qui était ce serviteur qui s'est levé pour aller cueillir des colinquins sauvages. Qui était ce serviteur qui s'est levé pour prendre la mauvaise herbe afin de mettre dans le bon pot? Et la Bible déclare que lorsqu'il va mettre les colinquins sauvages dans le pot, tout souvent c'est crié, la mort est dans le pot. Et ils ne purent plus manger, ils vont s'arrêter. Il y a des personnes ici, ce que vous faisiez il y a de cela, 3 ans en arrière, marchait bien. Mais après un temps, vous vous êtes arrêté. Il y a des personnes ici, votre église marchait bien. Votre église prospérait bien. Il y avait des âmes, il y avait tout. Mais après un temps, bien-aimé de le Seigneur, vous êtes descendu. Vous avez, bien-aimé de le Seigneur, chuté à un niveau où même pour rassembler 15 personnes, pour rassembler 30 personnes, c'est devenu difficile. Et il y a des personnes ici, vos mariages allaient bien. Votre mariage prospérait bien. Mais un temps de votre vie, vous vous êtes retrouvé confronté à une stagnation. Vous êtes en train de tourner sur place. Vous avez l'impression de vivre un éternel recommencement. Ce fut le cas des fils des prophètes, bien-aimés de le Seigneur, qui vont manger le potage qui était dans le pot. La Bible déclare, ils vont s'écrier, la mort est dans le pot et ils n'ont plus avancé. Ils n'arrivaient plus à manger. Il y a des personnes ici, à cause de la conséquence de la mort dans le pot, ça a arrêté leur vision. À cause de la conséquence de la mort dans le pot, ça a arrêté, bien-aimé de le Seigneur, leur projet. Il y a des personnes qui avaient des grands projets. Il y a des personnes qui s'étaient projetées dans beaucoup de choses. Mais à cause de la mort dans le pot, bien-aimé de le Seigneur, beaucoup se sont arrêtés. Comme je disais, la question qu'il faut se poser dans la mort dans le pot est de savoir... Est-ce que Élisée avait envoyé l'homme qui était allé prendre des mauvaises herbes? La Bible déclare que Élisée dit à son serviteur, et nous savons qu'à ce temps, le serviteur d'Élisée s'appelait Géasi. Donc Élisée avait parlé à Géasi, Élisée n'avait pas parlé à quelqu'un d'autre. Rabaya, Mandabaya ça. Vous devez comprendre, bien-aimé de le Seigneur, que lorsque la prophétie arrive jusqu'à vous, cette prophétie-là, doit transiter en fait. Ça doit passer par des intermédiaires. La Bible déclare que Dieu, Moïse va dire ceci. Moïse va dire ceci à Aaron. Il va dire, je serai pour toi comme un Dieu et toi tu seras comme mon prophète. Ça dit que tout ce que Moïse devait parler, Aaron devait retranscrire cela, retransmettre cela. Ça dit Aaron devait faire office d'interprète. Aaron devait faire office de celui-là, bien-aimé, qui devait être la voix des relais. La Bible déclare que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans le cadre prophétique, lorsque Dieu veut parler à son peuple, et même dans les anciens temps, lorsque Dieu voulait parler à son peuple, comment, est-ce que je peux avancer ce soir? Dieu suscitait une bouche. Dieu devait emprunter des oreilles. Dieu devait emprunter les yeux d'un humain. Parce que bien qu'il soit Dieu, vous devez comprendre que dans le fonctionnement spirituel, les esprits pour agir et opérer sur la terre ont besoin d'emprunter des corps. Pourquoi? Des peurs d'engendrer des conséquences aussi néfastes. Nous avons l'histoire de Moïse qui était bien-aimé de le Seigneur sur le mont Sinaï. La Bible déclare que le peuple voulait entendre la voix de Dieu. Dieu va leur mettre à l'épreuve en disant, ok Moïse, convoque le peuple et demande-lui de se mettre à côté de la montagne. Il ne faut même pas qu'il s'approche de la montagne. Il ne faut pas qu'il soit très près de la montagne, de peur qu'il y ait des dégâts. Pourquoi est-ce que Dieu, en parlant, va produire des dégâts? Pourquoi? Parce que l'atmosphère divine, ou encore l'atmosphère de Dieu, n'est pas proportionnelle à l'atmosphère de la terre. C'est-à-dire que si Dieu descend comme ça, commence à parler à la terre, ça peut créer des dégâts. La Bible déclare que lorsqu'il a apparu à Moïse sur la montagne, la montagne s'est mise à trembler. Lorsqu'il apparaît à Moïse sur la montagne, il y avait des catastrophes naturelles. Il y avait des bruits de tonnerre, il y avait des tourbillons, il y avait, bien aimé de le Seigneur, de la nuée. C'est-à-dire, il y avait même un dérèglement climatique qui s'était passé ce jour parce que Dieu était là. Donc, les esprits, dans la loi du monde spirituel, les esprits pour régner sur la terre ont besoin d'emprunter des corps. Et donc, lorsque Dieu voulait parler à son peuple, Dieu ne pouvait que le faire qu'avec une personne qui a les mêmes caractéristiques humaines qu'eux. Une personne bien-aimée de le Seigneur qui parle le même langage qu'eux. Une personne qui peut se faire entendre facilement par eux.
Et Dieu passait par des prophètes afin de retransmettre sa voix. Ce fut le cas, bien-aimé, d'Élisée. Élisée va parler à son serviteur, va cuire du potage et sert à ses personnes. Mais pendant qu'il le disait, il y a un homme qui s'est levé afin d'aller faire, bien-aimé de le Seigneur, la chose pour laquelle Élisée, plutôt Géasi, avait reçu l'ordre et la mission de faire. Vous savez, lorsque Dieu vous suscite un prophète, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Lorsque Dieu vous suscite un prophète, retenez ça. Lorsque Dieu vous envoie un prophète, lorsque Dieu suscite le prophétique, le diable suscite le pathétique. J'aimerais que tu écrives ça. Lorsque Dieu suscite le prophétique, le diable suscite le pathétique. Lorsque Dieu t'envoie un prophète, bien-aimé de le Seigneur, le diable t'enverra des personnes dans le but de pouvoir détruire cette prophétie. Là où Dieu élève des prophètes, le diable élève aussi des ennemis des prophètes. En fait, j'ai compris que l'homme qui avait mis la mauvaise herbe, l'homme qui avait mis des colinquettes sauvages, n'était qu'un obstacle, bien-aimé de le Seigneur, à la réalisation de la prophétie de ces personnes-là qui devaient sortir de la famine. Il y a des personnes ici, vous avez besoin de sortir de la famine. Il y a des personnes, vous avez besoin de sortir des situations difficiles. Malgré que vous allez chez les prophètes, malgré que vous donnez des dîmes, ce que vous ignorez, c'est que lorsque Dieu élève un prophète, le diable aussi élève un profane qu'il va utiliser pour vous détruire. Est-ce que je peux avancer, évangéliste? Je décrète et je prophétise au nom de Jésus. De partout là où tu as partagé ce live et tu as dit Amen. Toute personne qui s'est levée pour combattre ta prophétie, toute personne qui s'est levée pour combattre l'incipal de l'Éternel dans ta vie, par la puissance du nom de Jésus, il sera surpris de voir la puissance et la gloire de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? La Bible déclare que Dieu va demander à Élisée va demander à Géasi d'aller faire cuire, mais cependant, un homme va s'élever pour aller dans des mauvaises herbes, pour mettre confondre des bonnes épices avec les mauvaises épices qu'il était allé prendre. Il y a des personnes comme ça. Dieu avait parfois planté des bonnes épices dans vos vies. Il y a des personnes comme ça. Dieu avait déjà prévu un potage pour vous. Dieu avait déjà fait cuire un mets pour vous. Dieu avait déjà fixé une date là où ce mariage devait se réaliser. Une date où ce ministère devait se réaliser. Une date où tu devais rentrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour toi. Mais le problème, c'est qu'il y a un homme, lorsqu'il a entendu la prophétie de Dieu dans ta vie, il y a un groupe de personnes, lorsqu'ils ont entendu la prophétie de Dieu pour toi, il y a des amis au travail, lorsqu'ils ont vu sur le tableau d'affiche que ton nom devait passer en promotion, ils se sont précipités, bien-aimés dans le Seigneur, pour aller cueillir des colinquins sauvages. Ils se sont précipités pour salir ton nom. Vous devez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que le diable élève la persécution que lorsque vous êtes prêt à rentrer dans ce pourquoi Dieu vous a prédestiné. Le diable n'attaque pas en désordre. Le diable ne cherche pas les problèmes, comme on le dit souvent, en désordre. Lorsque le diable s'élève contre toi, c'est parce qu'il est conscient qu'il y a quelque chose que Dieu est en train d'élever pour toi qui sera contre lui au point où il pourra tomber. Je décrète et je prophétise au nom de Jésus. Toute personne qui s'est élevée avant toi, toute personne qui a couru dans le champ de ta destinée, afin d'aller prendre des mauvaises épices, afin d'aller consulter des marabouts, afin d'aller consulter des ngangas, afin de te mettre à terre, je prophétise et je déclare sur toi, par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth, les mauvaises épices seront retirées de ta destinée. Oh, j'aimerais que nous ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 24. Bien-aimés, les colinquettes sauvages sont rentrées partout dans nos vies. Les colinquettes sauvages sont rentrées dans nos ministères. La mauvaise sémence, bien-aimés dans le Seigneur, s'est mélangée à la sémence divine, au point de créer du désordre. Même depuis le commencement, bien-aimé dans le Seigneur, de la création. La Bible déclare que le diable, pour régner, qu'est-ce qu'il va faire? Dans le livre de Genèse, le chapitre 6, la Bible déclare
les fils de Dieu descendirent, non, plutôt des anges dessus, descendirent sur la terre, bien-aimés de le Seigneur, afin d'avoir des rapports sexuels avec des femmes. Il le faisait dans quel but et dans quelle intention? Il le faisait dans le but, bien-aimés de le Seigneur, d'ajouter d'autres semences qui étaient contraires à la leur. Parce que eux, en ayant péché, eux étant chassés du ciel, bien-aimés de le Seigneur, ils étaient porteurs déjà d'une mauvaise semence. Et pour corrompre beaucoup de personnes, il fallait qu'ils partaient mettre cette semence-là dans des personnes qui avaient les semences de Dieu. Et la Bible déclare que ces anges-là descendaient et avaient des rapports sexuels avec les femmes, d'où l'origine de Goliath. Parce que lorsque ces femmes-là mettaient au monde, ces femmes mettaient au monde des enfants qui ressemblaient à des Goliaths, des enfants qui avaient des pouvoirs, qui avaient des capacités surhumaines. Et bien-aimé de le Seigneur, lorsque le diable veut détruire une destinée, lorsque le diable veut détruire une vie, l'une des choses qu'il utilise, l'une des choses qu'il fait, bien-aimé de le Seigneur, c'est de déprogrammer la semence de la bénédiction. C'est de déprogrammer, bien-aimé de le Seigneur, ce que Dieu a mis en toi. C'est de désinformer. C'est-à-dire que les informations liées à ta destinée, l'ennemi se lève pour apporter, bien-aimé de le Seigneur, des désinformations. Je décrète et je prophétise ce soir, par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth, partout là où tu as dit Amen, je relâche la puissance de Dieu afin que tu rentres dans ta délivrance ce soir. Je relâche la puissance de Dieu afin que tout pouvoir de l'ennemi contre toi, toute mauvaise sémence dans ton corps, toute mauvaise sémence dans ton ventre, femme, tu me suis, toute mauvaise sémence dans tes diplômes, tu es allé à l'école, tu as appris, mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a une mauvaise sémence dans tes entreprises. Cela sera déraciné. Mon fils, rapidement, Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 24. Merci. La Bible déclare en Matthieu 13, 24. Yes. Il leur proposa une autre parabole. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé dans son champ. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé dans son champ. Une bonne sémence. Mais pendant que les gens dormaient, merci. Son ennemi vint et s'est mal livré. Amen. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence. Maman, regarde. Tu as semé une bonne sémence dans ta vie. Tu es allé à l'école, c'est une bonne sémence. Tu vas aujourd'hui à l'église, tu entends la parole de Dieu, c'est une bonne sémence. Tu payes des dîmes, tu donnes des offrandes, c'est une bonne sémence. Tu es mère de famille. Tu as 5 enfants, tu as 7 enfants. Aujourd'hui, tous tes enfants, tu t'es battu pour que ces enfants-là soient mieux scolarisés. C'est une bonne sémence. Tu as fait quelque chose de bien. Tu as fait quelque chose de bon. Mais la Bible déclare au milieu de la nuit, évangéliste. Ouais. Au milieu de la nuit, pendant que les gens dormaient. Son ennemi vint. S'est mal délivré. Parmi le blé. Et il s'en alla. Le problème, en fait, avec toi, c'est que ce que tu ne sais pas, pendant que tu passes le temps à dormir, le sommeil ici est sur plusieurs formes, au sens péjoratif, c'est-à-dire que c'est sur plusieurs formes. Ce n'est pas seulement le sommeil physique. C'est aussi le sommeil spirituel. Mon fils, est-ce que tu sais que Dieu m'a donné une révélation dans peu de temps, en me disant que ce qu'on appelle en fait anxion, hein, ce qu'on appelle anxion chez nous les chrétiens, c'est ce que les scientifiques en fait appellent, merci Seigneur, l'abara soufaya. Voilà, c'est ce que les scientifiques appellent en science l'énergie, yes. L'énergie humaine. Ce que nous chrétiens nous appelons anxion, c'est ce que les scientifiques appellent énergie humaine. Et les scientifiques ont défini plusieurs types d'énergie. L'énergie musculaire, l'énergie psychique, mais ce qui a plus retenu mon attention, c'est l'énergie psychique. Et ils ont dit que l'énergie psychique, c'est cette capacité qui donne à l'homme de pouvoir rentrer en contact avec son environnement et de pouvoir, bien-aimé de le Seigneur, réaliser ses pensées, réaliser le désir de ses pensées. C'est-à-dire que si la pensée désire aller allumer une télévision, ça dit ça, c'est l'énergie psychique. Il a pensé. Il a dégagé une force. Et cette énergie-là, bien-aimé de le Seigneur, va aller dans des membres qui sont liés, bien-aimé de le Seigneur, à ce que les pensées veulent faire ou encore veulent réaliser. Donc, cette énergie qui est dégagée, c'est-à-dire le cerveau va envoyer des informations depuis la tête jusqu'au bras afin d'aller allumer la télévision.
Ça, c'est ce que les scientifiques définissent comme étant l'énergie psychique. C'est-à-dire, c'est le fait de mettre en réalisation, encore en matérialisation, sa pensée. Ce que tu penses, tu le fais. Ce que tu penses, tu arrives à l'accomplir. Je vais manger, il te suffit de t'élever. C'est-à-dire, il y a une énergie qui se dégage de ta pensée jusqu'à une action physique. De ta pensée jusqu'à tes membres. Tu t'élèves et tu vas chercher de quoi manger. Je vais boire de l'eau, je vais soulever une bouteille d'eau. C'est-à-dire, l'information est quittée de ton cerveau. Tu prends la bouteille d'eau et tu commences à la boire. C'est ce qu'on appelle l'énergie psychique. Mais ce que ces scientifiques-là appellent énergie psychique, c'est ce que nous, en fait, hommes de foi, nous appelons l'onction. C'est quoi l'onction? L'onction est une capacité surnaturelle donnée à un homme dans le but de l'amener à accomplir ce pourquoi il est sur la terre. Ce pourquoi il est venu sur la terre. Et de la même manière, conscience, on nous dit que pour bien aimer le Seigneur, avoir assez d'énergie, il faut beaucoup manger, il faut avoir une alimentation équilibrée, il faut faire du sport, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup se cultiver et autres. Ça ouvre nos connaissances, ça nous aide, le sport, c'est-à-dire pour l'activité physique, ça aide nos muscles, ça nous rend toujours en forme. C'est aussi, bien aimé de le Seigneur, le cas dans le domaine du monde spirituel. Pour pouvoir manifester l'onction, pour pouvoir travailler avec l'onction, parce que l'onction va t'amener à accomplir les choses spirituelles dans les choses matérielles. La seule différence entre l'énergie de la science, entre la science, bien aimée de le Seigneur, et le spirituel, c'est que l'énergie scientifique t'amène à pouvoir juste réaliser des choses qui sont matérielles. Pas des choses qui sont spirituelles. Pas des choses qui sont spirituelles. Mais l'énergie spirituelle appelée onction peut t'amener, bien aimé le Seigneur, à manifester les choses spirituelles dans des actions physiques. C'est pourquoi la Bible déclare, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce qui veut dire que celui-là qui a l'onction, il peut appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Oui. Celui qui a l'onction peut appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Maintenant, regardez ce qui se passe, évangéliste. En fait, aujourd'hui, le monde, les grands lobbies, aujourd'hui, les organisations diaboliques se sont arrangées de telle sorte à pouvoir attaquer les chrétiens en détruisant leur énergie. À pouvoir attaquer le monde en détruisant leur énergie. Bien-aimés, et l'un des canaux utilisés par le diable aujourd'hui pour pouvoir détruire l'énergie des chrétiens, ou encore infecter, intoxiquer l'énergie des chrétiens, c'est la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Oui. Est-ce que vous savez que le fait d'être sur les réseaux sociaux, c'est une énergie que vous perdez, mais c'est aussi une énergie que vous recevez. Celui-là qui est connecté sur un bon site, là où on apprend comment entreprendre. Celui qui est connecté sur un site, là où on apprend comment s'informer, comment s'auto-former, comment bien-aimé de le Seigneur, réussir dans une formation et autres. Celui-là, il acquiert de la connaissance. Donc, lui, il a une énergie favorable à ce qu'il veut faire. Il a une bonne énergie. Au détriment de la personne qui passe tout son temps. Vous allez voir comme ça des personnes qui sont sur des réseaux sociaux en passant le temps à regarder des buzz. La question que je vais te poser, qu'est-ce que le buzz te donne? Qu'est-ce qu'un buzz va t'apporter comme édification? Vous voyez? Et aujourd'hui, bien-aimé de le Seigneur, le diable est en train d'utiliser certains réseaux, certains bien-aimés de le Seigneur, canaux de communication, afin d'abrutir beaucoup de personnes, afin de les détruire. C'est-à-dire que lorsqu'on si on pouvait ouvrir des personnes spirituellement, on devait découvrir que les os de ces personnes-là sont infectés. On devait découvrir que dans la vie de certains hommes, il n'y a qu'une énergie, bien-aimé de le Seigneur, de voir des femmes à moitié nues sur TikTok. Il n'y a qu'une énergie d'entendre juste le Congo ça. Oh, tel là-bas a eu l'accident. Oh, telle actrice a fait ceci. Telle actrice n'a pas payé son bâtiment. Tel là-bas. Et le diable est en train de distraire beaucoup de chrétiens. Pourquoi? Parce que le diable sait que lorsqu'un chrétien passe le temps à être consacré dans la lecture de la parole, à s'attacher aux choses qui édifient son âme, c'est une énergie, bien-aimée de le Seigneur, qui lui permettra de résister aux œuvres du diable. Aujourd'hui, bien-aimés de nos Seigneurs, les chrétiens n'ont même plus cette culture de lire la Bible chaque matin. Les chrétiens n'ont plus cette culture de prier chaque matin. Le premier réflexe que tu as en tête avant de dormir, c'est d'aller sur TikTok. Qu'est-ce que telle a dit là-bas? Qu'est-ce que telle a parlé là-bas? Le dernier
réflexe que tu as, bien-aimé, avant de dormir, c'est d'aller sur les réseaux sociaux. Dernier réflexe que tu as, ou même le premier réflexe que tu as en te réveillant, c'est ton portable. C'est de regarder. Et parfois même, quand tu prenais le portable là, certains moments, tu prenais le portable pour juste 5 minutes. Mais en rentrant parfois dans une application, en rentrant parfois dans un site, d'une minute ou 5 minutes là, tu vas te rendre compte que tu as passé plus de 1 heure, plus de 2 heures de temps. Parfois à regarder quoi? À regarder quoi? Parfois tu es sur TikTok, tu es en train de pager comme ça, tu pages juste. C'est-à-dire que tu ne sais pas, on ne sait pas où va le monde, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et tu vas te rendre compte que tu as passé 1 heure de temps sans rien apprendre. Tu as passé 1 heure de temps sans rien connaître. Tu as passé 1 heure de temps sans rien maîtriser. Tu as passé 1 heure de temps, bien aimé, rien qu'à regarder les modèles des chaussures, rien qu'à regarder le modèle des vestes, rien qu'à regarder les modèles des tenues. Vous voyez même des gens comme ça qui passent le temps à regarder, c'est-à-dire que des choses qui ne sont même pas à leur niveau, qui ne sont pas à leur hauteur. Et toutes les fois où vous regardez ces choses, toutes les fois où ces choses-là rentrent en contact avec vos yeux, c'est-à-dire qu'il y a comme une énergie que vous téléchargez en vous. Parce que votre esprit a été fait pour capter, bien aimé de le Seigneur, tout ce vers quoi vous lui donnez une attention. C'est-à-dire qu'il capte, il retient, il capte, il retient. Et cela, ce qui s'accroche à votre conscience, là, c'est une énergie. Ça s'accroche en forme d'énergie. Et bien aimé, il arrivera un temps où même pour prier, vous sentirez la lourdeur. Ou même pour jeûner, vous sentirez la lourdeur. Ou pour entrer dans des véritables combats spirituels de vos vies, vous sentirez de la lourdeur. Ce fut le cas de cet homme. La Bible déclare qu'il a semé une bonne herbe. La Bible déclare qu'il s'est levé au milieu de la... Le royaume de Dieu sera semblable à un homme qui, ayant semé, s'en alla dormir au milieu de la nuit. Un homme vint semer la mauvaise herbe. Et aujourd'hui, c'est un problème qui nous embête, nous chrétiens. Lorsque Dieu a commencé à nous bénir, lorsqu'on voit des fruits, assurément cet homme s'est dit, ok, si j'ai souffert à s'aimer, assurément je vais récolter. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que tu peux s'aimer, mais rien n'est garanti, bien-aimé de le Seigneur, que tu vas récolter forcément ce que tu as s'aimé. Oui, oui. Souvent les personnes disent, on récolte ce que l'on sème. Mais le diable sait aussi, bien-aimé de le Seigneur, qu'il peut confondre ta semence à une mauvaise semence. Et si tu manges deux semences à la fois, bien-aimé de le Seigneur, la vraie semence perdra son goût. La vraie semence va se dégrader en toi. Est-ce que je peux avoir le chant qui passait, la mélodie qui passait? C'est-à-dire, la vraie semence, oui, cette mélodie, mon fils. La vraie semence va se dégrader en toi. La vraie semence va quitter en toi. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence d'une mauvaise semence en toi. Et la Bible déclare, oui, bien-aimé, je vois ici, repentance totale. Nous avons besoin de la repentance sur les choses de Dieu. La Bible déclare, pendant qu'il dormait, chrétien, nous sommes en train de dormir. Pendant que le diable est en train de gagner du terrain, pas cette mélodie, non, 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 la mélodie, j'ai une prophétie sur ma vie, s'il te plaît. Pendant que le diable est en train de gagner du terrain, pendant que le diable est en train de battre son plein, le diable est en train de détruire l'église, le diable est en train de faire des choses malsaines. Nous les chrétiens, nous sommes en train de dormir. Nous dormons pendant que le diable ne dort pas. Nous sommes là dans les scandales, ce qui nous réjouit c'est les scandales. Oh prophète, là-bas on a entendu ça sur lui. Pasteur, là-bas on a entendu ça sur lui. Telle personne là-bas, on a entendu ça sur lui. Et c'est en train de nous détruire. Ça détruit qui nous sommes véritables. Pendant que nous sommes dans la distraction, le diable se lève pour aller poser des mauvaises semences. De Rois chapitre 4, la Bible déclare un homme alla précipitamment dans l'herbe et prit la mauvaise semence, des colinquins sauvages. La question qu'il faut se poser, où étaient les serviteurs pour voir qu'il y avait une mauvaise semence? Matthieu chapitre 13, verset 24, il déclare, pendant que l'homme dormait, il avait semé le blé. Il y a un homme qui va se lever la nuit pour venir mettre la mauvaise semence. La question qu'il faut se poser, où étaient-ils lorsque leurs ennemis venaient mettre la mauvaise semence? Que fais-tu? Où es-tu lorsque le diable se lève pour détruire ton ministère? Laisseras-tu ton ministère être détruit? Laisseras-tu ton mariage être détruit? Laisseras-tu ta vie de prière être détruite? Laisseras-tu la scolarité de tes enfants être détruite? En disant non, cet enfant je n'en peux plus. Cet enfant non, je n'en peux plus. Je lave les mains. Laisseras-tu que le diable détruise ta famille? Laisseras-tu que le diable touche tes finances? Te laisseras-tu détruire par le diable? Non, tu en as fait assez pour t'arrêter là. Tu en as donné des défis à Satan pour t'arrêter là.
C'est pourquoi sois éveillé. La première des choses qu'il faut faire pour vaincre la mort spirituelle, pour vaincre la mort dans le pot, tel que dit 2 Rois chapitre 4, il faut avoir un esprit de réveil. L'esprit de réveil, c'est être à l'écoute de la voix de Dieu à tout moment. Il y a des personnes qui trébuchent parce qu'elles n'arrivent plus à écouter la voix de Dieu. Il y a des ministères qui trébuchent parce qu'ils sont en faillite, en crise de la voix de Dieu. Il y a des ministères qui vont dans tous les sens parce qu'ils sont en crise de la voix de Dieu. La Bible déclare un peuple qui n'a pas de révélation est un peuple sans frein. Et même sur le plan politique, même sur le plan national, nous pouvons débuter une bonne transition. Mais si on n'est pas à l'écoute de la voix de Dieu, si on est distrait, bien-aimé de le Seigneur, cette transition peut se changer par une trahison. C'est clair. Parce que les ennemis, dans chaque action de délivrance, dans chaque action de libération, il y a toujours des ennemis. Tout le monde n'est jamais d'accord d'une délivrance. Tout le monde n'est jamais d'accord d'une libération. La preuve en est, excusez-moi, depuis que tu as décidé de construire, regarde les ennemis que tu as. Depuis que tu es en train de chercher la délivrance, regarde les ennemis que tu as. Depuis que tu es en train de prier, regarde les ennemis que tu as. Parce que tout le monde ne sera jamais d'accord de ce que tu veux devenir. Et oui, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que nous sommes en train de dormir, pendant que nous sommes en train de bercer, parfois je me demande, Seigneur, où sont les prophètes de nos temps? Où sont les prophètes de nos temps? Faites attention, Dieu, écoutez-moi bien, l'une des fois où Dieu a toujours parlé, toutes les fois où Dieu a toujours parlé dans la Bible, Dieu n'est jamais venu pour faire sourire les gens. C'est-à-dire que toutes les fois où il annonçait des bonnes choses, c'était en passant. La majeure partie du temps où Dieu parlait par la bouche de ses prophètes, c'était pour dénoncer des mauvaises choses. C'était pour redresser. Parce que Dieu nous parlera, Dieu nous avertira toujours. L'amour de Dieu pour nous, c'est de nous avertir lorsqu'il y a un danger. Dieu perdra moins de temps s'il sait que nous sommes sur le bon chemin, à nous rappeler qu'il va nous bénir. Parce qu'il sait que la conséquence d'être sur le bon chemin, c'est de terminer dans la bénédiction. Et c'est compliqué. Vous allez voir comme ça, aujourd'hui nous avons des serviteurs dans la nation. Ce n'est que des bonnes prophéties. Oui, c'est ci, c'est là, allez-y, foncez, allez de l'avant, fais attention au pasteur qui te prêche ce que tu veux entendre. Car aussi c'est ça l'apostasie. Paul dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu t'es attaché à la doctrine des Nicolaïtes. C'est-à-dire la doctrine des Nicolaïtes, c'est la doctrine que les gens veulent écouter, la doctrine de l'apostasie. C'est-à-dire que ce qui veut forcément sonner à vos oreilles. Aujourd'hui, vous voyez des chrétiens comme ça, bien-aimés de nos seigneurs, qui sont là, qui partent dans les églises parce qu'elles ont besoin d'écouter ce qu'elles veulent écouter. Elles n'ont plus besoin d'écouter pour ces personnes un message de repentance. Elles n'ont plus besoin d'écouter un message qui puisse les redresser. La mission de Dieu dans la Bible par ses prophètes, c'était de redresser son peuple. Vous savez, un jour, quelqu'un est venu me dire, « Oh, prophète, tu as tout, tu as des capacités. » Elle est là quelques années en arrière. Prophète, est-ce que tu es obligé souvent de donner des mauvaises prophéties? Il y a ça, il y a ça, tu ne vois que le mal, tu ne vois que le mal, tu ne vois que le mal, tu ne vois que le mal. Mais j'ai dit que le ministère prophétique est l'un des ministères qui vient bien aimé. Le ministère prophétique, c'est la voie de Dieu, le chemin. Jésus a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Mais pour aller sur ce chemin-là, il faut entendre sa voix. Il faut écouter sa parole. Il faut suivre ses orientations, excusez-moi. Et ces orientations viendront par des avertissements. Là, vous êtes sur le mauvais chemin. Il m'a dit, prophète, pourquoi tu ne dis de bonnes prophéties, tu seras appelé et autre tout. Ne vous attachez jamais, bien-aimés, ne compromettez jamais. Vous êtes prophète. Il y a beaucoup de prophètes ici. Ne compromettez jamais, bien-aimés, votre onction devant une autorité parce que vous devez forcément lui dire ce qu'il veut entendre. Il va tuer votre onction, il va tuer votre aura, il va tuer beaucoup de choses. Un prophète, ce n'est pas celui-là qui dit ce que les gens veulent entendre. Le prophète, c'est celui qui dit ce que Dieu dit. Les gens parlent de sagesse dans le prophétique. Prophète, vous n'êtes pas sage. Vous n'êtes pas sage. Vous dénoncez beaucoup de choses. Oui, nous reconnaissons que parfois, ce qui nous manque, c'est la manière. Mais le fait pour nous de donner un message tel que nous l'avons entendu, ne fait pas de nous des personnes qui ne sont pas sages.
Parfois, nous pouvons manquer la manière de pouvoir adresser un message. Et parfois, ça, c'est à cause de la culture. Tous les prophètes n'ont pas une bonne culture de savoir que pour s'adresser à ce genre de personnes, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut aller comme ça. Non. Mais la sagesse dans le prophétique, ce n'est pas de changer la prophétie. La sagesse dans la prophétie, c'est d'avoir la méthodologie, en fait, de retransmettre la prophétie. Nos nations meurent, bien-aimés, parce que il n'y a plus de personnes assez éveillées pour voir le malheur arriver. Nos nations meurent parce qu'il n'y a plus de personnes qui se tiennent debout pour dire, ok, pendant que l'homme de Dieu a dit « Faites cuire le potage », il y a une personne qui s'est levée pour aller cueillir des mauvaises herbes. L'église meurt parce que nous sommes infiltrés chaque jour. Chaque jour. Moi qui vous parle, je suis un témoignage vivant. Je vous pointe le doigt, trois doigts me reviennent. J'ai été victime de la cabale sorcellaire de mes ennemis sur les réseaux sociaux. Ça, je n'aurai jamais honte de vous le dire. J'ai vu, ça dit que ce sont ces derniers jours que le Saint-Esprit m'a enseigné sur comment le diable travaille. Le diable ne connaît pas la rapidité, le diable ne connaît pas la précipitation, mon fils. La différence entre nous et le diable, c'est que nous, les chrétiens, nous sommes pressés. À peine venu à l'église, à peine on veut déjà avoir une bonne situation, à peine on veut déjà avoir une super onction. Le diable est l'homme le plus persévérant. Pourquoi? Parce que sa première punition au ciel, c'est parce qu'il a manqué. Il a manqué de passion, il a manqué de persévérance. Et lorsqu'il est venu sur la terre là, il cherche à rattraper ça. C'est l'être le plus persévérant. C'est l'être qui est le plus endurant dans un combat. Parfois tu es là, bien aimé, tu es déjà découragé. Le diable il n'est pas découragé. Il est là, il te regarde. Il te regarde, il dit, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire à cette personne? Qu'est-ce que je peux faire pour détruire ce ministère? Qu'est-ce que je peux faire pour détruire cette femme? Qu'est-ce que je peux faire pour détruire ces jeunes-là? Qu'est-ce que je peux faire? Et toi, tu ne sais pas, tu es là, tu prêches. Le diable t'a déjà infiltré des personnes. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Dieu m'a dit, mon fils, ce qui t'est arrivé, c'est pas parce que tu n'étais pas prophète. C'est pas parce que je t'avais rendu aveugle, non. Mais ce qui t'est arrivé, c'est parce que je voulais te donner des enseignements. Et regarde, 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 regarde comment le diable travaille. Parfois, tu es là dans un ministère assis. Le diable a déjà infiltré un destructeur. Oui, oui, oui. Le diable a déjà infiltré un destructeur. Mon fils, même en temps de naufrage, écoute-moi bien. Même en temps de naufrage, si tu t'accroches au bois, le serpent aussi s'accrochera au même bois. En temps de naufrage, là où tu t'accroches, là, c'est là où ton ennemi s'accrochera. C'est-à-dire que le diable peut faire en sorte, ce n'est pas tous les ennemis qui sont appelés à vous fuir. Hein. Il y a des ennemis qui sont appelés aussi à aller jusqu'au bois avec vous. Il est là, le gars vous regarde. Vous êtes là, vous pensez que c'est une bonne personne. Mais c'est un infiltré de Satan. Quelqu'un qui est là depuis plusieurs temps, il est là, il prend des informations sur vous. Partout où vous passez, il vous prend, il vous capture en écran, il vous enregistre tout. Il attend juste un bon jour, là où il y aura une porte d'ouverture, il explose. Je décrète et je prophétise par ton amen que cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela n'arrivera pas à ton ministère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, 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 aïe. Rabababa sopa. Leba radivas kanamaya. Merobobos. Je déclare et je prophétise dans la vie de Budax, que ce que tu as dit là retourne sur toi et sur jusqu'à la quatrième génération, à moins que je ne suis pas prophète. Je déclare que la prison aussi soit attachée à toi, afin que vous sachiez que ce n'est pas tous les prophètes qu'on attaque. Ce que tu as dit, si tu ne retires pas, cela s'attachera à toi et je te donne moins de un mois, à moins que je n'ai pas été appelé par Dieu, à moins que je ne suis pas vrai prophète. Que ce que tu as annoncé mauvais sur moi, que cela se retourne contre toi. Cela se retourne contre tes parents. Cela se retourne jusqu'à la quatrième génération. Je décrète et je prophétise que la mauvaise semence soit enlevée. Que la mauvaise herbe soit enlevée. Que tout ce que le diable a mis en mal dans ta vie, Rabba Soukaya, que cela soit enlevé. Les mauvaises épices, les collectés sauvages peuvent être la présence d'un homme, peuvent être la présence d'une femme, peuvent être la présence d'un esprit dans ta vie. Et ce soir, je suis venu avec l'opération, je dois faire déménager le collectés sauvage. Je dois faire déménager la mauvaise sémence du diable. Et je décrète et je prophétise
dans la vie des 100 premières personnes qui sont allées sur Facebook et qui ont partagé à plus de 20 personnes. Là où vous êtes, partout où vous êtes sur TikTok, partout où vous êtes en train de partager, je décrète sur les 100 premières personnes qui sont allées partager que toute forme de sémence négative dans vos vies, toute sémence négative dans votre maison, toute sémence négative dans vos vies soit retirée au nom de Jésus. 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 Je commande à la sémence de la maladie. Je commande à la sémence du chômage. Je commande à la sémence des maris de nuit, à la sémence des femmes de nuit, d'être enlevé au nom de Jésus. La Bible déclare, tout ce qui n'a pas été planté par mon Père sera déraciné au temps convenable. Je décrète et je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cela soit déconnecté, que cela soit enlevé au nom de Jésus, que cela soit enlevé au nom de Jésus. Waouh, il y a un problème sur TikTok, je demande à mon fils de venir vérifier rapidement, que cela soit enlevé jusqu'au bout, pendant que tu es en train de partager. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que Dieu enlève toutes les sources, que Dieu enlève toute forme d'attaque diabolique sur toi. Que Dieu enlève, que Dieu enlève, que Dieu enlève, que Dieu enlève. Je prophétise sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe les sémences qui sont derrière toi. Peu importe les sémences qui parlent négativement contre ta vie. Peu importe les sémences qui parlent négativement contre la vie de tes enfants. Peu importe les sémences qui parlent négativement contre ton foyer. Peu importe les sémences qui parlent négativement contre ton mariage. Pendant que tu es en train de partager et appuyer sur des cœurs, je décrète et je déclare que les sémences soient retirées au nom de Jésus. Que les sémences soient retirées au nom de Jésus. Si c'est un homme qui est une mauvaise sémence à côté de toi, autour de toi, par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth, qu'il soit déstabilisé. Qu'il soit déstabilisé. Waouh, waouh, waouh. Qu'il soit déstabilisé. Qu'il soit déstabilisé dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Partout là où tu as dit Amen et tu es en train de partager. Je prophétise, j'ai fini mon message. Je prophétise dans la vie des prophètes Josué. Je prophétise dans la vie des Amical Matafo. Je prophétise dans la vie des Chantou Machantou. Je prophétise dans la vie des Itumba. Je prophétise dans la vie des Yvette Moussoundou. Je prophétise sur la vie des Hacker. Je prophétise sur la vie des Mireille Loufou, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Maraba Sopaya, que Dieu éveille ton esprit et que Dieu retire toute forme de combat, que Dieu retire les sources de combat. Pendant que je suis en train de parler ici, je suis en train de voir Abara Sikaya. Je vois comme une femme ici, tu es là, tu me suis. Je vois tu as été humilié quelque part. Je te vois humilié quelque part. Pendant que je parle, je te vois humilié quelque part. Je vois un homme à côté de toi. J'ai vu cet homme travailler comme dans une société appelée Comilo. Cet homme, dans mon esprit, je suis en train de voir, il a décidé de te marier, il est situé du côté de Mwanda. Je suis en train de voir dans mon esprit, tu es là, tu t'appelles Nadège. Je ne vois pas le nom, mais j'ai juste entendu le prénom Nadège. Dieu me dit, il est sur le point de te restaurer. Parce que tout récemment, tu as été menacé par ta rivale. Il y a ta rivale qui s'est levée contre toi pour te menacer. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, ce règne anti-mariage qui agissait contre ta vie vient d'être dépouillé et mis à nu par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth. Je décrète et je prophétise au nom de Jésus, pendant que tu es en train de partager, je déclare que toute forme de servitude soit arrachée dans ta vie au nom de Jésus. Toute source diabolique soit arraché dans ta vie dans le nom de Jésus. J'aimerais que pendant une minute, tu pries avec moi. Pendant une minute, tu proclames avec moi. Certainement, il y a eu une mauvaise sémence. Certainement, dans ton ventre, il y a une mauvaise sémence. C'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à tomber enceinte. Certainement, dans ton travail, il y a une mauvaise sémence. C'est pourquoi tu n'arrives pas à avoir un emploi stable. Mais ce soir, tu vas prier. Je dis que la première chose pour vaincre la mort dans le pot, c'est d'avoir un esprit d'éveil, un esprit réveillé. Et je déclare au nom de Jésus, ce soir, que tu te réveilles. Je me sers de la myrrhe ce soir. Tu es à distance, tu me suis. Je me sers de la myrrhe ce soir. Namara Sikaya. Dieu va demander à Esther d'utiliser la myrrhe. Dieu a demandé à Esther d'utiliser la myrrhe. Je me sers de la myrrhe ce soir, au nom de Jésus.
Je décrète et je déclare, pendant que je réponds cela sur mes mains et je frotte, que toute femme, tout homme qui était victime d'une mauvaise sémence, au nom de Jésus, que cette sémence soit retirée par la puissance de Dieu. Que cette sémence soit retirée par la puissance de Dieu. Je pose mes mains sur ce portable. Vous pouvez poser et lier vos mains. Vous pouvez lier vos mains. Vous pouvez lier vos mains. Pendant que je pose mes mains ici, je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, 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 aïe. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chapaïa. Que la délivrance soit votre partage. Que la délivrance soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je répands l'huile de la myrrhe sur vous. Et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui a été planté dans votre destinée. Tout ce qui a été planté dans la nuit de votre destinée. Tout ce qui est planté dans vos ministères. Tout ce qui est planté dans vos vies. Au nom de Jésus. Je viens faire établir une purge spirituelle ce soir. J'établis une purge spirituelle ce soir. Est-ce que nous pouvons prier comme des guerriers ce soir? Est-ce que là où tu es, tu peux prier ce soir? Même si tu es dans ta voiture, élève ta voix et prie. Quelque chose est en train de se dégager. Je demande à l'évangéliste soit de repartager dans tous les groupes. Mana asando para shakaya. Rapapa sakabaya. Laba, 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 laba. Déclare des paroles, déclare des paroles. Je déclare au nom de Jésus, dans la vie de Darrell Kanda, pendant que tu es en train de prier, je viens retirer des mauvaises sémences dans ta vie. Tu es sur TikTok. Je décrète et je prophétise dans la vie de Marvel. Je prophétise dans la vie de Guingwang. Je prophétise dans la vie de Edwige Makaya. Élève ta voix et prie. Il y a une mauvaise sémence. C'est pas normal que jusque-là, la promotion n'est pas encore arrivée. C'est pas normal que jusque-là, ce mariage est en train de faire du surplace. Je viens commander à toute sémence anti-mariage. Je viens parler à toute sémence du chômage. Je viens parler à toute sémence de l'échec financier. Paraba, parabaya là-bas. Zakamaya là-bas. Et Shagaya, lakapa là-bas. Je déclare au nom de Jésus que la délivrance soit ton partage. Commande, 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 commande. Que la délivrance soit ton partage. Que la délivrance soit ton partage. Que la délivrance soit ton partage. Pendant que tu es en train de déclarer avec moi, je prophétise ce soir que si on avait mis de mauvaises sémences, la Bible déclare au milieu de la nuit un homme sorti pour s'aimer. Mais un autre homme, pendant qu'un homme s'aimait au milieu de la nuit, un homme s'éleva pour aller poser la mauvaise sémence. Pendant que tu es en train de partager, je viens parler à toute mauvaise sémence qui contrôle ta vie depuis un village. Toute mauvaise sémence qui contrôle ta vie depuis une maison de loge. Toute mauvaise sémence qui contrôle ta vie depuis le village. C'est une grand-mère, c'est un grand-père, c'est un oncle, c'est une tante. C'est quelqu'un qui retient ta photo. C'est quelqu'un qui a introduit les mauvaises sémences à la place de la réussite. Ils ont mis l'échec à la place des voyages. Ils ont mis le fait de tourner sur place. Je décrète que par le feu de Dieu et la puissance de Dieu, que ton âme soit rachetée, que ton âme soit délivrée. Je viens arracher ton âme. Je viens arracher ton âme. Je viens arracher ton âme. De là où il t'avait retenu captif. Je viens arracher ton âme. Est-ce que nous pouvons partager au maximum pendant que nous sommes en train de prier? Hey ya baba. Hey ya baba. Rachagaya. Et shababa. Indrabara. Et kabaya sadaba. Pelerosomandeleha. Ivarada et Shekebe. Pero Shababayata. Ilakato Sokabe. Varoso. Varoso. Varaba Sikaba. Ilakapa lanele. Eledado Sundadada. Rekapa papa lebe pelede. Shakababa yata la baile. Le pele levo supaya laba. Ele pepele yaba. Ele pele 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 no soka. Maraba baba. Japa yapa laba. Ela condale ve. Ela condale de ve. Rapa sundele vera. Rapa la baba yante. Shebe leke de beya. Maraba baba se de ve. Rapa baba. Tu es sur TikTok, je le déclare. Tu es sur Facebook, je le déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Rapa papaya.
Là, papa. Mon fils, pendant que nous sommes en train de prier, je vois une dame ici au nom de Tsakayuka. Je vois une dame au nom de Tsakayuka. Je ne sais pas là où elle me reçoit. Je ne sais pas là où elle est. Mais je vois une dame, tu t'appelles Tsakayuka, et je vois un problème qui va s'élever entre elle et un homme. J'ai vu comme une guerre. J'ai vu comme Satan est en train de s'élever dans un foyer. La Tsakayuka dont je suis en train de parler, je vois à côté de toi, il y a un homme. Mais l'homme s'appelle Joachim. Alors madame, si vous êtes là, veuillez confirmer rapidement le message. Je vois une Tsakayuka et j'ai vu un homme avec elle. Mais l'homme que je suis en train de voir, il porte le nom de Joachim. Et l'Esprit de Dieu me dit, il veut parler maintenant à ce couple. Je vis un homme dans le cadre relationnel et j'ai vu un homme au nom de Joachim. Mais ce que j'ai vu entre les deux, c'est que le diable était en train d'établir une barrière en fait de diviser les deux. Pendant que je suis en train de parler, je décrète et je déclare toutes les femmes ici qui sont victimes d'un esprit de séparation dans le domaine des foyers. Où est la dame? Madame, si c'est vous, confirmez le message. Répondez rapidement et dites, il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Je vais te dire l'origine de ce problème. Parce que pendant que je parle avec toi, je vois que tu as connu une personne au nom de Emeline Bilogué. Je vois que tu as connu une personne au nom de Emeline Bilogué. La personne confirme le message. Elle dit quoi? Elle dit vérité. Je suis en train de voir une personne à côté de toi au nom de Emeline Bilogué. Madame, confirmez le message rapidement. Et la Emeline Bilogué que je suis en train de parler, je suis en train de voir dans mon esprit un numéro à côté d'elle. Le numéro commence par 077. Je vois un numéro qui commence par 077. Est-ce qu'elle confirme? On me fait signe qu'elle est en train de confirmer le message. Paradevaya. Je vois un numéro qui commence par 077. Après le 77, je vois le chiffre 23. Après 23, il y a 28. Après 28, je suis en train d'entendre 48 à la fin. Et je vois cette dame, pendant que je parle, présentement, j'ai même vu comme un esprit de maladie sur la vie de cette personne. Et je voyais comment cette personne-là était comme en train de marcher. Elle a cogné un mur, elle s'est arrêtée et la personne est comme rentrée dans le séjour des morts. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, il y a plusieurs suites d'événements qui vont comme frapper dans votre famille. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir une succession d'événements, Rapa Shadabaya, Lepaya, qui va comme frapper. Et je vois dans mon esprit, ce sont des événements des morts. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, de te dire, que cela est annulé dans la vie d'Emeline. Maintenant, je vais revenir sur Joachim. Pendant que je vois Joachim à côté de toi, j'ai vu dans mon esprit comment le diable était en train comme de faire quelque chose pour vous amener au divorce. Le diable est en train de faire quelque chose pour vous amener au divorce. Madame, si vous êtes là, il faut interagir rapidement. Je demande aux personnes de partager sur TikTok. J'arrive sur TikTok. Faites-le rapidement. Maximum de partage. Appuyez sur les cœurs parce qu'on est signalé. Voilà. On me fait signe que la dame est en train de confirmer le message. J'ai vu un homme et j'ai vu dans mon esprit comment le diable est en train de programmer dans mon esprit. J'ai vu comme un divorce. De telle sorte que le monsieur devait aller un côté et toi aussi tu devais aller un côté. L'homme dont je suis en train de parler précisément, je l'ai vu habillé en tenue d'armée. Comme les gardes présidentiels et autres. Je l'ai vu, il était habillé en cette tenue. Et il était en train de te regarder avec des bras comme ça. Il a croisé des bras dans la vision. Et pendant qu'il est en train de regarder, il a comme les mains sur la tête. Pourquoi? Parce que dans peu de temps, toi-même qui me suis ici, Madame Tsakayuka, tu seras victime comme d'une attaque. Et l'attaque que je suis en train de voir, Dieu est en train de me parler d'une opération. Et cette opération, je suis en train de voir que ça va t'emporter. Mais je décrète et je déclare que cela soit rendu nul et sans effet. Je décrète et je prophétise dans la vie des 100 premières personnes qui ont partagé.
donc qui était victime d'un esprit de mort. Que cela puisse quitter vos vies au nom de Jésus. Que cela puisse quitter vos vies au nom de Jésus. Je vois une personne qui me suit ici au nom de Annette Minang. J'ai vu un commentaire au nom de Annette Minang. Shabaya. C'est le temps d'écrire en commentaire, prophète, localise-moi. Hé, Shabaya, Radaba. Shama de Baïl. Lepa, Radabaya. La personne confirme le message. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit vérité. Elle confirme ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Je ne vous connais pas. C'est la première fois même moi je parle avec vous là en direct. Et je suis en train de voir le Saint-Esprit est en train de me parler de ça. Je libère la délivrance sur vous. J'annule ce divorce. J'annule cette mort sur toi. Et j'annule la mort sur votre sœur. Par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth. Je décrète et je déclare que ce que Satan a prévu faire soit renversé et voué à l'échec. Par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth. J'ai vu mon fils, une personne au nom de Annette Minang. Hein? Pendant que j'ai vu cette Annette, l'Esprit de Dieu m'a montré une connexion avec les comptes publics. J'ai vu une personne dont on était en train de citer son nom, mais comme par un conseil des ministres. Et j'ai vu la grâce de Dieu qui tombait sur elle. Oui? Oui? J'ai vu la grâce de Dieu qui tombait sur elle. Madame, si vous êtes là, je vous vois avec mon deuxième portable. Prononcez-vous rapidement. Prononcez-vous rapidement. La bla baba ba, shadabaya. Prononcez-vous rapidement. Les blé bébé bich. Barada baba baba. Shadababa. La baba ba. Voilà. On me fait signe qu'elle est là. Je suis en train de voir dans mon esprit à côté de vous. Vous avez une sœur. J'entends parler de Ndong Henriette. Ndong Henriette. Après, faites tout pour me mettre en contact avec cette personne. Je dois prier pour elle parce que j'ai vu beaucoup de pesanteurs spirituelles dans la vie de cette dame. J'ai vu comment Satan était en train de s'élever pour chercher à causer un problème. Alors j'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit proclamé nul et sans effet. Et tout ce que le diable a eu à faire, tout ce que le diable a programmé, soit annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'arrive pas à bien lire les noms sur TikTok, mon fils. Est-ce que tu peux mettre un peu assez de luminosité? Je n'arrive pas à bien lire les noms sur TikTok. Merci Seigneur, merci Seigneur. Prévive, est-ce qu'on peut partager toujours sur Facebook? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Voilà. Je vois une personne qui est connectée ici avec le compte. Je vois une personne connectée avec le compte ici, l'Aigle Royal. J'ai vu une personne connectée avec le compte l'Aigle Royal. L'Aigle Royal. Voilà, c'est à toi que je vais parler, Aigle Royal. Je vois une personne, voilà, merci. Je vois une personne connectée avec le compte Aigle Royal. Aigle Royal, là où tu es, l'Esprit de Dieu me dit que ce n'est pas ton nom. Oui, mon fils, Aigle Royal n'est pas son nom. Le nom que j'entends parler de Mangumba. Et je vois que tu es caché comme derrière, on dit quoi? Comment on appelle ça? Hein? Voilà, tu es caché, c'est un nom. Saint-Thème. Le fait de te cacher derrière une identité qui n'est pas la tienne, là. Voilà. Voilà. Non, pas. Ouh, pas l'usurpation d'une identité. Oh, mon Dieu. C'est pas possible. Aïe. Voilà. En fait, tu es caché comme derrière un clown. Et je vois dans mon esprit que le véritable nom que je suis en train d'entendre parler de Mangumba. Et je vois tu es là, tu es connecté par voilà, ce compte-là. Je vois tu t'appelles Mangumba. Et je suis en train de voir l'Esprit de Dieu me dit il veut te parler parce que là où tu es, tu fais face à une situation un peu bizarre. Parce que je vois dans mon esprit comment la famille est en train de pleurer. Je vois, il y a de cela quelques temps en arrière, vous avez perdu quelqu'un dans votre famille au nom de Caïf. J'entends parler d'une personne qui est décédée. Mais la personne portait le nom de Caïf. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, de te dire, il y a un problème qui est en train d'embêter votre famille. C'est un problème qui est relatif et qui est rattaché à l'esprit des morts. Pendant que je suis en train de parler comme ça, je demande aux personnes voilà, d'envoyer les commentaires. Plus vous envoyez les commentaires, je vois votre nom et je peux relâcher des messages prophétiques. L'Esprit de Dieu me dit, tu t'appelles Mangumba, tu es connecté ici par, en fait, voilà, par un avatar. C'est ça le mot. Et je suis en train de voir dans mon esprit, ton nom c'est Mangumba. Mangumba Bopa. Et je suis en train de voir, vous avez perdu quelqu'un de votre famille au nom de Caïf.
On me fait signe que la personne est là, confirme même le message. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, fais attention. Parce que je vois que tu es la prochaine cible de l'ennemi. Je vois comment l'ennemi est en train de te cibler. Je vois beaucoup de stratégies comme des réunions occultes qui sont en train de se faire dans le seul objectif de pouvoir te détruire. Mais je rends cela nul et sans effet par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth. Et je déclare que le retour à l'envoyeur soit effectué avec effet immédiat. Que le retour à l'envoyeur soit effectué avec effet immédiat. Je vois ici une personne aussi connectée au nom de Widin Mwendu. Widin Mwendu. Alors Widin Mwendu, là où tu es, prononce-toi rapidement. Marabayas. Merababaya. Je vois Widin Mwendu. Pendant que j'ai entendu ce nom-là, Widin Mwendu, l'Esprit de Dieu me dit que Widin là est rattaché à un enfant. Je vois que Widin est rattaché à un enfant. Je vois Widin est rattaché à un enfant. Et l'enfant que je suis en train de voir, c'est une fille. Je vois une maman qui me suit, mais à côté d'elle, je vois un enfant. Mais je vois que le même nom là qui est sur son profil là n'est pas rattaché comme à elle, mais c'est rattaché comme à un enfant. Et je vis dans mon esprit comment quelque chose devait arriver à cet enfant. Mais je décrète et je déclare que cela soit proclamé nul et sans effet. Même si c'est ton cas, même si Satan avait déjà programmé faire des choses contre la vie de ton enfant. Voilà, on confirme qu'elle est là, on confirme que la personne est là, c'est ça? L'Esprit de Dieu est en train de me montrer comment il y a comme une conspiration diabolique qui est en train de s'élever contre toi, contre la vie d'un enfant. L'enfant dont je suis en train de parler ici, mon fils, je vois un enfant qui est né précisément le 17 mars. Elle confirme le message. Parachadabaya. Je vois une personne qui est née le 17 mars. Cet enfant-là, tu as eu des difficultés pour avoir cet enfant. Cet enfant était un combat. D'ailleurs, tu devais perdre cet enfant-là à partir du 7e mois. Tu devais perdre cet enfant le 7e mois. Mais c'est la grâce et la main de Dieu qui avait intervenu. Parce que tu avais fait un rêve là où quelqu'un venait disputer un enfant avec toi. Mais la grâce de Dieu est intervenue de telle sorte à pouvoir te délivrer et à arracher ton enfant. Je vois l'enfant dont je parle est né précisément le 17 mars. Si c'est le cas, vous confirmez. Si ce n'est pas le cas, dites prophète, vous êtes un menteur, je ne me reconnais pas dedans. Je décrète et je prophétise. Je vois que sur TikTok, c'est en train de grimper. Pendant que vous êtes en train de partager, appuyez sur des cœurs. Que tout ce qui est programmé contre vos enfants, tout ce qui est programmé contre vous, soit proclamé nul et sans effet au nom de Jésus. Soit proclamé nul et sans effet au nom de Jésus. La paya. Dans le nom de Jésus. Je vois aussi une personne ici, un commentaire. J'entends parler, c'est là, le nom est là. Maouta, 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 Maouta. Alors madame Maouta, si tu es là, écris en commentaire, je suis la prophète. Je vois madame Maouta. Maouta, je ne te connais pas, je ne sais pas là où tu es. Mais je vois que le nom que tu as mis là n'est pas ton nom. Le nom que l'Esprit de Dieu me donne, c'est Mapingu. Au lieu de Maouta, le prophète que je suis, je suis en train d'entendre parler de Mapingu. Et quand j'entends parler de Mapingu, j'ai vu une connexion entre l'Europe. Mais d'origine, tu n'es pas comme européenne. Je vois juste une connexion avec l'Europe. Je vois que tu as des origines au niveau du Congo. Et pendant que je suis en train de parler, Maraba Sabradabaya, l'Esprit de Dieu est en train de me dire, je parle ici de Maouta, Maouta. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, on me fait signe qu'elle soit sur TikTok où elle est. Waouh, 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 waouh. Seigneur, rattrape cette personne. Rattrape cette personne, rattrape cette personne, rattrape cette personne, rattrape cette personne. Voilà, j'ai mon portable pour voir si la personne est là. Alors, madame, si vous êtes là, il faut confirmer rapidement le message. Il faut confirmer le message rapidement. Voilà. Je vois Maouta. Maouta, l'Esprit de Dieu m'a parlé de Mapingu et non Maouta. Et ce que je suis en train de voir en allant dans les profondeurs, Dieu est en train de me dire, pendant que je suis en train de parler avec toi, qu'il y a eu comme une conspiration ténébreuse qui s'est faite contre ta vie. Je suis en train de voir comme le diable s'est élevé. Et d'ailleurs, quand le diable s'est élevé, il a tué quelqu'un chez vous qui s'appelait Basile. Le Basile dont je suis en train de parler était un député. Il est décédé depuis longtemps. Et je suis en train de voir dans mon esprit que depuis que le Basile est décédé, tu ne fais que faire une série, une succession de rêves sur lui. Où tu vois ce Basile-là. Et je suis en train de voir que le Basile, il était même lié aussi à la famille Mapingu dont je suis en train de parler. Je vois dans mon esprit pendant que je parle, là où tu es présentement, tu as peur. Ça ne fait même pas encore une semaine que tu... Madame, si c'est faux, écrivez en commentaire, c'est faux, vu qu'on ne te connaît pas. Je vois, ça ne fait même pas une semaine.
Je suis en train de voir, tu as fait un rêve sur ce Basile. Là où tu t'es retrouvé au Congo. Et tu t'es retrouvé au Congo parce qu'au niveau du Congo, je suis en train de voir comme des travaux de construction que tu es en train de faire. Donc, tu devais comme aller parachever comme un chantier. Et là-bas, tu t'es retrouvé confronté à une situation. Dans la situation, les gens étaient comme en train de s'agiter. Et pendant qu'ils s'agitaient, il y a quelqu'un qui est venu dire, « Oh, mais Basile n'est pas mort, Basile est là, Basile n'est pas mort, Basile est là. » Et la personne est venue parler avec toi, tu as clairement entendu son nom. Je décrète et je prophétise, Madame Maouta ici, que Dieu connaisse le nom Mapingu, que la délivrance soit ton partage. Ah, Bara de Vaya, et les Bara de Vaya, ah, la Balegaya. Les Bayas. Évangéliste, la madame Widin Lamwendi confirme que l'enfant est né précisément le 17 mars 2015. Est-ce que nous pouvons partager au maximum? Je suis en train d'arriver sur TikTok. Je décrète et je prophétise. Les premières personnes qui sont allées partager à 20 personnes. Écris en commentaire, j'ai partagé à 20 personnes. Que la grâce de Dieu soit aussi votre partage. Que la faveur de Dieu vous touche. Et que la faveur de Dieu vous localise. Est-ce que nous pouvons partager au maximum? Partager au maximum. Partager au maximum. Rabat soubedebe. Les blés. Je vois ici une dame au nom de Louise Azizé. Pendant que je parle de Louise Azizé, je suis en train de voir dans mon esprit, tu as fait un rêve. Mais dans le rêve que tu étais en train de faire, on t'a demandé de faire du commerce. De faire du business. Et pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit, dans votre famille, il y a une personne qui est décédée dans la lignée des grands-mères. Ça, vraiment dans la lignée des grands-mères éloignées. Elle s'appelait précisément Aziz et Marie. Elle s'appelait Maman Marie. Et je suis en train de voir dans mon esprit. Il y a comme une forme de pesanteur chez vous. Une forme de pesanteur dans votre famille. Faisant en sorte que tout ce que vous êtes en train de faire, notamment du côté des femmes, sont en train d'échouer. Les femmes ont des problèmes de mariage. Pendant que je parle, je suis en train de compter le symbole des 5 œufs que je vois qu'on est en train de briser. On brise les mariages de tout le monde. Je décrète et je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce qui a été détruit soit délivré et retrouvé par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons toujours partager au maximum? Est-ce que nous pouvons partager au maximum? Rabas, si Rabas. Est-ce que nous pouvons partager au maximum? La blabababa. Pendant que tu es en train de partager, je décrète et je prophétise au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je vois ici quelqu'un au nom de Diambou. Je vois Diambou. Pendant que je vois Diambou, je ne sais pas où tu me suis. L'Esprit de Dieu est en train de me dire ceci. Cet homme est un serviteur de Dieu. Il est caché sur ce nom Diambou parce qu'il ne veut pas encore dévoiler son ministère. Je vois que tu es un ministère prophétique. Et pendant que je suis en train de parler avec toi, je te vois comme diriger un mouvement. Je vois un mouvement de prière derrière toi. Je vois plusieurs personnes se rassembler derrière toi et prier. Et pendant que je suis en train de parler de ce Diambou, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer comme quelque chose, un ministère qui est lié à la parole créatrice. Je vois derrière le ministère, c'est écrit « parole créatrice ». Et je suis en train de voir, tu es confronté à une forme de stagnation financière. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu veux réaliser dans le ministère, mais il y a beaucoup de blocages. C'est-à-dire que les choses sont en train de tourner à rang comme ça. Tout ce que tu essayes de faire ne fait que tourner à rang. Tout ce que tu veux faire est en train de tourner à rang. Tourner à rang. Tourner à rang. Tourner à rang. Je décrète et je déclare que Dieu te délivre. Je prophétise ici. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me montre plus de 500 personnes qui ont des difficultés à trouver du travail. Je déclare, pendant que vous êtes en train de partager ce live, et taguez vos frères, vos soeurs, toi qui as un problème de travail, je viens avec l'huile de la myrrhe. Je proclame et je prophétise au nom de Jésus-Christ Nazareth que tu trouveras un emploi stable. 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 Tu connais quelqu'un qui est à la recherche du travail. Tu connais quelqu'un qu'on a licencié. Tu connais quelqu'un qui passe par une difficulté financière. Je prophétise pour la personne-là. Je déclare que la personne-là va réussir. Je déclare qu'elle va travailler. Je déclare qu'elle va travailler. Si c'est son nom, mets son nom en commentaire. Je déclare qu'elle va travailler. Je déclare qu'elle va travailler. L'échec est banni au nom de Jésus. L'échec est banni au nom de Jésus. Je vois ici Jesslyn Milembi. Pendant que je parle de Jesslyn Milembi, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer que là où tu es là, tu es en train d'attendre un financement. Je vois un financement parce que tu veux réaliser une affaire du côté de Port-Gentil.
Je ne te vois pas Port-Gentil, je vois l'Europe. Mais je vois un financement comme qui va couvrir la réalisation de quelque chose au niveau de Port-Gentil. Je vois comme une activité rémunératrice que tu veux faire, mais tu es à l'attente d'un financement. Je relâche le financement sur toi. Je relâche le financement dans ta vie par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare, Rabba Lavaya, je le déclare au nom de Jésus. Pour les personnes aussi qui cherchent ces financements, pour les personnes qui attendent ces financements, que cela soit votre partage au nom de Jésus. Que cela soit votre partage au nom de Jésus. Partout où vous avez partagé et vous avez dit Amen, que cela soit votre partage par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois ici une personne au nom de Kézal. Kézal, le commentaire a vite défilé sur TikTok. Je vois Kézal et je vois dans mon esprit un magasin. Et je te vois dans mon esprit te lancer dans le domaine des affaires, dans le domaine des business. Je suis en train de voir comme beaucoup de... Je vois dans mon esprit comme des vêtements, beaucoup de choses. Mais j'ai vu dans mon esprit comme un blocage. Il y avait comme un blocage sur ce que tu faisais. Pourquoi? Parce que je vois dans mon esprit que dans votre famille, vous devez beaucoup prier. Parce que les gens ne prient pas beaucoup le Seigneur Jésus. Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de pesanteurs spirituels. Je décrète et je prophétise. Pendant que vous êtes en train de tapoter les cœurs sur TikTok. Et pendant que vous êtes en train de partager sur Facebook. Que cela soit détruit et annulé par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth. J'ai vu un pasteur ici. Aïe, 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 aïe. Ça défile rapidement, ça défile. Ça défile rapidement, ça défile rapidement, ça défile rapidement. Wow, 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 wow. Ça défile rapidement, ça défile rapidement. Aïe, 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 aïe. Les gens sont en train de grimper sur TikTok. Je décrète et je prophétise que le miracle grimpe aussi dans vos vies. Je prophétise que les bonnes choses grimpent aussi dans vos vies. Je prophétise que la réussite grimpe aussi dans vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la réussite grimpe aussi dans vos vies. Que vous puissiez grimper aussi, que vous puissiez grimper dans tous les domaines de votre vie. Que vous puissiez grimper dans tous les domaines de votre vie. Recevez cela au nom de Jésus. La Bible déclare par un prophète, Israël fit monter hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fit garder. Je déclare la délivrance par le prophétique. La délivrance par le prophétique. La délivrance par le prophétique. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lève ta main et dis, je reçois ma délivrance. Lève ta main et dis, je reçois ma délivrance. Lève ta main et dis, je reçois ma délivrance. Lève ta main et dis, je reçois ma délivrance. Seigneur, je prophétise au nom de Jésus. Dans la famille Madeleine Ayan, dans la famille Audrey Miracle, je déclare là où tu es, Audrey Miracle, que la puissance de Dieu soit ton partage et que la sentence de la justice de Dieu se rabatte contre tes ennemis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare aussi dans la vie de Tania, pendant que je parle de Tania sur TikTok, je vois comme une ouverture financière. Le Seigneur te visite financièrement. Le Seigneur produit une ouverture financière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je la relâche dans ta vie. Je la relâche là où tu es au nom de Jésus. Je vois comme une personne ici au nom de Momo. Je vois une personne qui est décédée dans ta famille, mais qui s'appelait... je suis en train de voir dans mon esprit... je vais taire le nom. Voilà. Par question de sagesse. Elle s'appelait Marie. Et le nom commençait par... voilà. Et je suis en train de voir dans mon esprit que la personne vivait comme en rivalité. Elle vivait en rivalité. Et depuis que la personne est partie, les enfants de cette personne sont en train de souffrir. Tout ce qu'ils essayent de planifier a du mal à réussir. Pourquoi? Parce que je suis en train de voir, ils sont victimes comme d'une malédiction. Il y a comme une lignée. Une malédiction qui est en train de se rabattre sur tous les enfants. Une malédiction qui est en train de se rabattre sur tout le monde. Mais je prie et je déclare au nom de Jésus. Partout, vous avez partagé et vous avez dit Amen. Que cela soit rendu nul et sans effet par la puissance du nom de Jésus. Je vois ici une personne au nom de Ézéchiel Soro. Pendant que je parle d'Ézéchiel Soro, l'Esprit de Dieu me dit, monsieur, faites attention. Je suis en train de voir une opportunité d'affaires, mais qui va mal tourner. L'opportunité d'affaires que je suis en train de voir derrière vous, c'est dans le domaine de l'immobilier. Je vois une opportunité d'affaires, c'est-à-dire je vois une terre et je vois une maison et je vois que cela va mal tourner et va se retourner contre vous. Et l'Esprit de Dieu m'envoie comme étant son ange prier pour vous afin que ce que Satan a programmé, ce que Satan est en train de faire contre votre vie, ce que Satan a déjà écrit sur la terre qui doit vous arriver, soit déclaré nul et sans effet par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth. Je relâche la puissance de Dieu, je relâche le feu de Dieu et je déclare au nom de Jésus qu'aucun mal ne vous arrivera, que les œuvres de Satan ne vous toucheront pas, que ce que Satan a prévu ne vous touchera pas.
que ce que Satan a prévu ne prospérera point contre vous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors là où tu es rapidement, je vais prier ce soir avec une bouteille d'eau. Je vais prier avec une bouteille d'eau. Là où tu es, prends une bouteille d'eau. Prends un verre d'eau rapidement, je vais prier pour toi. J'ai besoin du sang. Prends une bouteille d'eau. Prends un verre d'eau, je vais prier pour toi. Prends un verre d'eau, une bouteille d'eau, je vais prier pour toi. Ah, la bababaya. La bababaya. Je vois la famille Arnaud Toulassi. Je tiens à vous préciser qu'au mois de juillet, je suis à Paris. Vous tous qui êtes à Paris, nous avons déjà ouvert, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons ouvert déjà la billetterie. Nous avons ouvert la billetterie. Et je tiens à préciser que l'entrée sera gratuite. Pour toutes les personnes qui sont à Paris, si vous voulez participer à ce programme, je ferai mon programme à l'espace Venise. L'espace Venise à Sarcelles. Je ferai mon programme à l'espace Venise à Sarcelles. Dans une très grande salle qui a une capacité d'environ plus de 2000 places. Et bien aimé dans le Seigneur, vous êtes de la France. Vous êtes là, vous me suivez. Vous me suivez depuis la France, une billetterie a été déjà ouverte. Le programme ne pourra pas contenir plus de 3000 personnes. Alors, vous voulez faire partie de ce programme. Lorsque vous partez déjà vous enregistrer à la billetterie, on vous délivre un billet. C'est ce billet-là qui vous donnera accès, bien-aimé dans le Seigneur, à la salle. Donc, où vous êtes, c'est un programme qui est ouvert à tout le monde. Mais pour des mesures de précaution, parce que vous savez que la France est ordonnée et disciplinée. Je vais vous donner un numéro et vous allez, bien-aimé dans le Seigneur, vous faire enregistrer déjà pour avoir votre billetterie. Vous allez vous faire enregistrer pour votre billetterie. Donc, vous êtes de l'Europe, vous êtes de la France, vous êtes aussi ici au Gabon, vous avez besoin de réception, vous êtes ici à Libreville, vous avez des parents à Libreville. Par la grâce de Dieu, si vous avez besoin de réception, ce samedi, vous pourrez vous rendre au niveau de l'église afin de vous faire enregistrer pour des réceptions. Vous avez aussi des malades urgents, vous avez des maladies urgentes, vous avez besoin de prières. Je vois ici, par la grâce de Dieu, plus de 800 personnes connectées sur TikTok. Je vois des centaines de personnes connectées sur Facebook, plus de 700 personnes connectées sur Facebook. Bien aimé, c'est possible que Dieu vous parle. C'est possible que Dieu vous localise. C'est possible que Dieu fasse des grandes choses. Je vais vous laisser un numéro. Laissez maintenant, bien aimé, votre intention. Si vous voulez une réception, si vous voulez, bien aimé, bloquer votre billetterie pour la France. Le numéro, c'est le 076. Je vais demander à mon équipe d'épingler ça rapidement. 076 23 60 91. Le 076 23 60 91. 076 23 60 91. 076 23 60 91. Voilà. Est-ce que vous pouvez écrire cela? Si vous êtes sur TikTok, écrivez cela. Rapidement, après, je vais prier avec des bouteilles d'eau. 076 23 60 91. C'est le numéro, bien-aimé de le Seigneur, qui vous donnera toutes les précisions nécessaires sur la billetterie pour ceux qui sont en France. Voilà. Merci à J et Ami. Donc, 076. 076 23 60 91. Voilà, prenez ce numéro. Sur Facebook aussi, mettez ce numéro. Aidez-moi à épingler ce numéro. Voilà, 076 23 60 91. Épinglez ce numéro rapidement. Épinglez ce numéro sur Facebook. Voilà, c'est le numéro qui va vous donner toutes les informations nécessaires. Et je crois que Dieu va faire des grandes choses. Voilà, je me suis absenté durant un mois. Et demain, j'aurai encore un live. Demain, je reviens ici encore sur Facebook et sur TikTok. J'aimerais continuer les soirées d'impactation avec vous. Je vais continuer les soirées de prière avec vous. Et je vous dis, il y aura des grands impacts. Dieu va faire des choses terribles. Dieu va faire des choses extraordinaires. Et la semaine prochaine, à partir du lundi ou mardi, on va préciser là. À partir de lundi, nous allons commencer notre grand programme sur Zoom. C'est un programme qui est intitulé « Prophète, localise-moi ». « Prophète, localise-moi », c'est un programme prophétique, bien-aimé, qui va toucher des milliers de personnes. Qui va toucher des milliers de personnes. Toucher des milliers de personnes et Dieu va agir puissamment. Je reviens encore. Vous êtes ici, vous me suivez. Vous êtes à Libreville et vous avez besoin de me rencontrer. Passez juste à l'église ce samedi à partir de 14h30 parce que j'aurai un service de réception et j'aurai un service de ligne de prière. Passez à l'église ce samedi à partir de 14h30. L'église est située à Ovendo, en face du lycée technique. Et pour avoir toutes les précisions, tous les détails, les informations, si vous êtes même à distance, vous pourriez envoyer un parent vous représenter avec une photo.
parce que ce samedi, je vais prier spécialement aussi pour des personnes qui sont à distance. Vous êtes en France, vous êtes en province. Envoyez un parent qui est à Libreville, qui peut se rapprocher de Vendo avec votre photo. Et lorsque cette personne-là viendra, il va afficher votre photo. Dieu peut vous localiser par votre parent. On peut prier pour vous par le canal de votre parent. Et je crois que Dieu se manifestera puissamment. Il y a quelqu'un qui pose la question, c'est combien? Les réceptions sont gratuites. Mais gratuité ne veut pas dire sans offrande. L'offrande, c'est une offrande volontaire, c'est que Dieu vous met à cœur. Mais les réceptions, il n'y a pas de choses à imposer, c'est temps. Non. Mais c'est une offrande bien-aimée de le Seigneur que Dieu vous met à cœur. Et quand on parle d'offrande, tu ne vas pas venir à 10 francs pour dire c'est l'offrande. Non. Prends une offrande consistante. Prépare-toi. Prends une offrande à la hauteur de ce aussi que tu demandes à Dieu, de ce que tu veux faire avec Dieu. Mais sinon, il n'y a aucune condition sur les réceptions. Samedi, vous passerez au niveau de l'église et vous recevrez votre prière. Si vous venez pour un cas de maladie, on va prier pour que ces maladies-là s'éloignent de vous. Si vous venez pour un cas de réception, on va faire tout pour vous recevoir. Voilà, si vous venez, bien-aimé de le Seigneur, aussi, je ne sais pas, pour un autre cas, on va voir ça sur place. Mais sinon, pour avoir toutes les informations, évangéliste, il faut épingler le numéro sur Facebook. Prenez le numéro 076 23 60 91. 076 23 60 91. Prenez ce numéro. Voilà, épinglez ce numéro. Voilà, c'est déjà épinglé. Ah, sur Facebook. Non, c'est peut-être sur une autre page. Pas sur ma page prophète Emmanuel. Épinglez sur ma page prophète Emmanuel. Parce que sur ma page, c'est toujours le message de Wildin Mwendou qui est épinglé. Voilà. Donc ce samedi, spécialement au niveau de l'église, je prierai à partir de 14h pile, soit là. 14h pile, soit là, tu as le temps de te faire enregistrer, on aura le temps de prier pour toi. Ce même samedi, je prierai aussi pour les personnes que j'ai reçues les précédents jours. Et je vous dis, il y aura un impact. Vous serez dans l'atmosphère des prières, il y aura une ligne de prières. Vous avez un parent qui est malade, un parent qui a besoin d'être visité par Dieu. Oui, c'est aussi l'occasion qui vous est donnée. C'est aussi l'occasion qui vous est donnée d'amener ce malade, afin que ce malade puisse expérimenter la puissance de Dieu. Ce samedi, mon fils, on a expérimenté la puissance de Dieu terrible. Les paralytiques ont jeté des béquilles comme si c'était de l'eau. Je me rappelle, il y a deux femmes qui sont arrivées avec les béquilles. C'est-à-dire que c'est des femmes qu'on tenait comme ça là. On les soulevait pour marcher. Je pouvais juste dire à ces femmes-là, répétez le nom de Jésus. Elles ont crié Jésus. Et Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, les a guéries. Et je crois que Jésus peut aussi te guérir. Je crois que Jésus peut te faire sortir aussi de cette situation. Je crois que Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, peut te délivrer de cette oppression. Je crois que Jésus peut te délivrer de cet anti-mariage. Mais il y a des actions qui demandent, bien-aimé dans le Seigneur, à rentrer aussi en contact avec le prophète. Donc, si vous êtes au Gabon, ce samedi, je serai à l'église. Je vais recevoir à partir de 14h pile. Même si vous êtes à 10, à 20, à 15, il n'y a pas de problème. Venez avec votre foi et Jésus va faire quelque chose. Vous avez aussi des personnes malades. Ce samedi, à partir de 14h30 à l'église synagogue du Gabon, soyez là et je vais prier pour vous. Ce n'est pas encore l'ouverture de l'église, hein? Ce n'est pas encore la reprise des cultes. Ça, c'est juste mes services de réception et mes services de prière en ligne. Et bien aimé dans le Seigneur, toi aussi tu seras visité. Voilà, ça c'est la première information. Deuxième information, c'est celle qui concerne les personnes qui vivent sur le territoire européen. J'arrive au niveau de la France à partir de juin. Mois de juin, je serai là-bas. Mais le programme commence en juillet. Plus précisément, le 5 et le 7 juillet. Le 5, nous aurons une grande veillée de prières. L'Europe va bouger avec le sang du mouvement prophétique. Le 5, nous aurons une grande veillée de prières. Ce sera un vendredi à l'espace Venise. L'espace Venise à Sarcelles. Je crois que c'est au 95e ou au 92e. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est un endroit attractif, bien-aimé. Donc, vous viendrez avec vos familles pour, bien-aimé de le Seigneur. Déjà, pour avoir des bonnes informations sur ce programme et être sûr, allez-y déjà vous faire enregistrer à la billetterie. C'est-à-dire qu'à la billetterie, ça fait en sorte que si le jour du programme, on a plus de 3000 personnes, vous serez favorisé parce que vous avez pris le programme en cours. On ne vous demande pas d'aller réserver des places pour payer. On ne demande pas de payer des places. On demande déjà de signaler votre présence. Enfin, bien-aimé de le Seigneur, que sur la base du nombre de places, nous puissions, bien-aimé de le Seigneur, évaluer certaines choses. Parce qu'en Europe, si vous dépassez, exemple, le nombre de places dans une salle, vous pouvez faire l'objet de poursuites, vous pouvez faire l'objet des amendes et autres tout. Donc, c'est un territoire que je ne connais pas. J'ai besoin que les choses vraiment soient disciplinées.
Mon père, moi je serai au niveau de la France. Toi qui es au Gabon, là c'est l'occasion pour toi aussi d'aller déjà au niveau de la France. Donc faites-vous enregistrer. Et le numéro c'est le 076 23 60 91. 076 23 60 91. Faites-vous enregistrer sur ce numéro et croyez que la puissance de Dieu va vous visiter. Dieu va accomplir et Dieu va réaliser des choses extraordinaires. Des choses où Dieu marabayal, où Dieu va manifester des grandes choses. Donc, laissez déjà le message sur mon WhatsApp 076 23 60 91. Après, on va vous ajouter dans le groupe et vous allez choisir, bien aimé de le Seigneur, votre billetterie selon le numéro qui vous sera attribué. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je vais honorer l'un de mes fils qui m'a assisté. S'il peut prier pour vous afin de proclamer des paroles, l'évangéliste Watt, il va proclamer des paroles sur votre bouteille d'eau. Il va prier avec moi et nous allons déclarer que Jésus-Christ Nazareth puisse guérir des personnes. Voilà des milliers de personnes qui sont restées connectées. Voilà des centaines sur TikTok et des centaines sur Facebook. J'ai béni le Seigneur pour le nom sur Facebook parce que les restrictions que nous avons reçues, on ne devait même plus dépasser plus de 200 personnes. Mais je vois là des personnes connectées à plus de 700 personnes sur Facebook. Je crois que l'algorithme est en train de reprendre. Et ça, je vais vous demander de partager. On était restreint à ne pas dépasser le seuil de plus de 200 personnes. On a reçu ce message. Mais par la puissance de Dieu, voilà, je crois que l'algorithme de la page est en train de reprendre son rythme. Donc sur TikTok aussi, bien aimé dans le Seigneur, merci de rester là. Je suis obligé de travailler sur les deux plateformes parce qu'il y a beaucoup de restrictions sur nos pages. Donc, bien aimé dans le Seigneur, là où vous êtes, prenez rapidement votre bouteille d'eau. Et pour ceux qui doivent aussi passer à l'église ce samedi, venez avec une bouteille d'eau et un sachet de sel. Une bouteille d'eau et un sachet de sel. Quelqu'un dit, papa, il y a le power. Oui, il y a le power. En juillet, ce qui va se passer en France, ce sera terrible. Toi qui es en Europe, toi qui es au Portugal, Portugal, donne-moi les pays aux alentours là. L'homme de l'histoire. La Belgique, la Suisse, c'est ça? Portugal, Belgique, Suisse, Italie. Voilà, même si tu es aux États-Unis, tu es au Canada, déplace-toi déjà. Ça te concerne. Tu peux aussi envoyer déjà ton message pour dire je serai à ce programme afin qu'on puisse bloquer déjà ta place. Je prie au nom de Jésus-Christ Nazareth avec mon fils, tu peux approcher. Nous décrétons et déclarons par cette eau, là où vous êtes, vous avez une bouteille d'eau, vous avez un verre d'eau avec vous. La Bible déclare que Dieu est l'eau de vie. Et je viens par de l'eau, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la guérison soit votre partage, que toutes vos maladies vous libèrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la douleur que tu ressens à ta trompe gauche, à ta trompe droite, à la présence de cette eau puisse libérer. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que Dieu est l'eau de vie. Dieu a dit à l'aveugle d'aller se laver au réservoir de Siloé. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette eau est un réservoir de Siloé, afin bien-aimé dans le Seigneur d'enlever l'aveuglement que tu avais. Là où tu ne voyais pas clair dans tes affaires, là où tu ne voyais pas clair dans tes business, là où tu ne voyais pas clair dans ta santé, je décrète et je prophétise que tu sois lavé. Je décrète et je prophétise que cette eau te restaure. Que cette eau restaure là où la main du diable est passée. Que cette eau restaure ce que le diable a touché. Que cette eau restaure ce que le diable a touché. Que cette eau restaure ce que le diable voulait détruire. Par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth, nous venons et nous proclamons au nom de Jésus-Christ Nazareth que la puissance de Dieu qui n'a pas changé, la puissance infiniment variée de Dieu puisse vous toucher et produire des grandes choses. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, nous libérons la puissance de Dieu sur vous. Rabaya, Hele Kabaya, Sabaya la Baradebe, Pera Dabaya, Lapa la Bayaba, Le Kapasaya, Janandra Daba. Rababaya la baba baba la victoire les pachas les pachada les padaba la santé parachada ba ipanda la ba le miracle le miracle et les refaire la puissance et les rachkada baya tout ce qui ne confesse pas la volonté de Dieu soit brisé au nom de Jésus. Tu es malade, tu as une difficulté. Reçois ton miracle. La panda la veille. Reçois ta situation. Chekabaya là-bas. Puissant du nom de Rababababa Shadaba. Tu es tellement malade. Les pas là. Tu as une situation difficile. Les pas Shada. Je proclame. Les pas là-bas. La victoire. Les pas la santé. Les au nom de Jésus. Rabba les gars là-bas. Au ventre. Les pas Shada. Un problème à la tête. Les pas Shada. Reçois le miracle. Les pas Shada. Reçois la délivrance. Et Béra le miracle de Dieu. J'annonce ce soir. J'ai pas tu es libéré. Tout ce qui
sont bloqués. Tout ce qui t'attachait, au nom de Jésus, reçois ton miracle. Reçois au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois au nom de Jésus. Reçois, je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu est l'eau de vie. Nous venons avec cette eau au nom de Jésus. Et nous relâchons la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous relâchons la vie au nom de Jésus. La Bible déclare que tous les malades qui se jetaient à la piscine de Bethesda ressortaient étant guéris. Je décrète et je déclare que cette eau est le Bethesda de ton travail. Que cette eau est le Bethesda de ton mariage. Que cette eau est le Bethesda de tes finances. Que cette eau est le Bethesda de tes entreprises. Que cette eau est le Bethesda de ce que tu as commencé à faire. Nous proclamons au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus. Tu as des problèmes dans ta santé, des problèmes au travail. Partout le diable a bloqué tes finances. Nous déclarons ce soir un déblocage. Nous déclarons ce soir un déblocage par le nom de Jésus. Tu es malade, tu as un problème de tension, un problème de pied, un problème de ventre. Reçois ton miracle. La Bible déclare au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous venons ce soir. La Bible dit si deux personnes s'accordent pour demander une chose, cette chose sera accordée. L'Éternel nous accorde la guérison. L'Éternel t'accorde la victoire. Les finances, la santé, le miracle, au nom de Jésus. Tu es malade, reçois. Tu es malade, reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons que c'est fait. Nous proclamons que Jésus a déjà accompli des miracles. Nous proclamons que cette maladie n'est plus dans ton corps. Nous proclamons que ce problème n'est plus dans ta vie. Nous proclamons que ce chômage deviendra un nouveau témoignage pour toi. Nous proclamons au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu vient de remplir tes comptes bancaires. Nous proclamons que Dieu vient de remplir tes poches. Nous proclamons que Dieu vient de mettre les eaux au milieu du désert. Car il est le Dieu qui ferait même des chemins dans le désert. Nous proclamons que la source d'eau vive de Dieu coule en vous. Que la source d'eau vive de Dieu puisse jaillir en vous. Que la source d'eau vive de Dieu puisse jaillir en vous. Il a dit, je suis l'eau de vie. Quiconque vient à moi n'aura plus jamais soif. Que le Seigneur n'apaise pas seulement ta soif. Que le Seigneur ne t'apaise pas seulement dans cette maladie. Que le Seigneur ne t'apaise pas seulement dans ce chômage. Mais que l'Éternel des armées te libère totalement de ce problème. Que l'Éternel des armées te libère totalement de ce problème. Au nom de Jésus, peut-être tu as un dossier qui attend une signature. Nous déclarons ce soir, je prends un stylo sur ma main. Je viens signer, je viens signer, je viens signer. Au nom de Jésus, là où s'attendait cela, je signe au nom de Jésus. Je proclame qu'à partir de demain, on t'appellera au nom de Jésus. Pour ce dossier, on t'appellera pour ton ministère. Les déclare au nom de Jésus, tout blocage financier. L'Éternel ouvre les portes. L'Éternel ouvre les portes. Il attire des partenaires financiers pour ton commerce qui était bloqué. Nous déclarons au nom de Jésus l'ouverture des portes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ouvre les portes. Au nom de Jésus, les portes des finances, les portes du travail, les portes de ce voyage. Au nom de Jésus, tu es certainement dans ce live et certainement tu cherchais une solution. Jésus se présente à toi. Ce soir, là où tu n'arrivais pas à dormir, par un mari de nuit, par une femme de nuit, nous proclamons ce soir, ce mari de nuit est repoussé au nom de Jésus, cette femme de nuit est repoussée au nom de Jésus, tu pensais au suicide, tu pensais à la mort, nous venons bannir l'œuvre de la mort dans ta vie, nous déclarons Jésus règne dans tes pensées, Jésus règne dans ton cœur, Jésus règne dans ta famille, nous proclamons ce soir, l'ivraie qui avait été semée, vient d'être ôté ce soir, livré de la mort, vient d'être ôté ce soir, livré du chômage, vient d'être ôté ce soir, livré du divorce, vient d'être ôté ce soir, nous proclamons ce soir, l'échec scolaire vient d'être ôté ce soir, au nom de Jésus, par ton amen là où tu es, reçois au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les miracles, merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur, merci Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à boire cette eau par la foi et dire que c'est fait, Jésus m'a guéri, Jésus a accompli le miracle, Jésus vient de faire des grandes choses, Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri. Est-ce que tu peux dire Amen, est-ce que tu peux dire Amen? Voilà, est-ce que tu peux dire Amen, Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri, Jésus t'a guéri.
Jésus t'a guéri. Est-ce que tu peux dire amen? Jésus m'a guéri. Voilà, tu es libre. Tu es libre. Il t'a guéri. Nous proclamons que tu es guéri. Nous proclamons que tu es libre. Nous proclamons que c'est fait au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. 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 Commence à boire cette eau et crois que tu es libre. Crois que tu es libre. Crois que tu es libre. Ouf. Crois que tu es libre. Crois que c'est fait. Crois que c'est fait. Crois que c'est fait. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Il y a un portable disponible, mon fils. Voilà. Pendant la prière, vous venez de recevoir quelque chose de grand. Vous venez de recevoir une guérison. Voilà. Voilà, vous venez de recevoir une guérison. Je vous donne un numéro. Vous pourrez appeler, bien-aimé de le Seigneur, pour votre témoignage. Vous pourrez appeler pour votre témoignage. Le 076 23 60 91. 076 23 60 91, le numéro que j'ai donné. Vous venez d'expérimenter quelque chose durant ce temps de prière. Vous venez d'expérimenter une guérison authentique. Ça s'est passé devant vos yeux. Ça s'est passé devant vous. Et vous voulez rendre témoignage à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible. C'est possible de le faire maintenant. Voilà, c'est possible de le faire maintenant. C'est possible de le faire maintenant. Excusez-moi. Voilà, il y a des témoignages qui se sont produits. 076 23 60 91. Rends gloire à Jésus. Rends gloire à Jésus. Jésus vient d'accomplir un témoignage. Tu peux laisser rapidement, tu peux appeler et dire pendant la prière, voici ce que j'ai reçu. Pendant la prière, j'ai été guéri. Pendant la prière, j'ai expérimenté Dieu. Pendant la prière, voilà, laissez les appels normaux. Laissez les appels normaux, s'il vous plaît. Laissez les appels normaux. Voilà, sur le 076 23 60 91 pour toutes les personnes qui sortent de là avec un témoignage, qui viennent d'expérimenter Jésus, qui ont été touchés miraculeusement, dont Jésus accomplit des miracles pendant que nous étions en train de prier, pendant ce temps de prière et autres. Voilà, vous pouvez tout simplement appeler. Voilà, il y a des appels qui viennent, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à recevoir. Voilà, c'est bon, la ligne est ouverte. Vous pouvez appeler rapidement, vous pouvez appeler. Voilà, les personnes appellent, mais malheureusement, c'est un peu bloqué. C'est un peu bloqué, c'est un peu bloqué, c'est un peu bloqué. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, je vais recevoir des témoignages et je vais aussi prendre... je vois un appel ici. Je vais prendre l'appel. Allô, allô? 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 Oui? Allô? Oui, bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, on vous reçoit. Je viens rendre gloire à Dieu parce que... Lors de la prière, depuis ce matin, j'avais mal, très mal à la trompe droite. Oui. J'avais vraiment mal. Et quand vous avez demandé de poser la main pour prier, je l'ai fait. Et instantanément, là, je ne ressens plus aucune douleur. Wow. Je ne ressens plus aucune douleur et je viens rendre gloire à Dieu pour cela. Que Dieu vous bénisse et que la main de Dieu soit votre partage. Et que le Dieu qui n'a pas changé puisse toujours accomplir et faire des grands miracles avec vous. Vous êtes sur Libreville? Je suis sur France. D'accord, vous êtes en France. Vous êtes déjà prête pour le programme de juillet? Oui. Ok, que Dieu vous... Non, on vous attend ici. D'accord, d'accord. Donc laissez juste le message déjà pour votre billetterie. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. D'accord. C'est fait. Voilà, une personne qui avait des problèmes au niveau des trompes qui a été guérie miraculeusement. Vous êtes aussi ici, vous avez votre témoignage. Le numéro, c'est le 076 23 60 91. Vous pouvez appeler pour rendre rapidement votre témoignage et dire, prophète, voici ce que l'Éternel des armées a fait dans ma vie. Voici ce que j'ai expérimenté avec Dieu ce soir. Voilà, voici ce que Jésus a fait. Voici ce que Jésus a fait. Waouh, 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 waouh. Voici ce que Jésus a fait. J'ai expérimenté Jésus dans ce domaine. J'ai expérimenté Jésus à ce niveau. Voilà. Mais il y a des appels. Les appels normaux là arrivent, mais je n'arrive pas à les prendre. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà. En même temps, je vais prier. Je vais accorder un bonus rapidement à 10 personnes. Voilà. Vous avez des sujets de prière urgents et vous aimeriez que je prie pour vous. 10 personnes, je vais prendre vos appels. Si vous appelez uniquement par appel normal. Je ne sais pas pourquoi ça décode. Uniquement appel normal. Vous voyez, c'est là, mais il n'y a que des appels manqués. Je n'arrive pas à voir les appels, je ne vois que lorsque c'est manqué.
Je vais prier rapidement pour 10 personnes. Je vais proclamer des paroles dans la vie des 10 personnes. Et je vais vous libérer rapidement. 10 personnes, voilà, allez-y. Le numéro est donné, 076 23 60 91. La ligne est certainement saturée. Voilà, allez-y, donnez votre témoignage. Ou encore, si vous avez une requête de prière. Oui, allô? Allô? Oui, nous vous recevons 5 sur 5. Allô? Shalom, papa. Shalom. Papa, je veux que tu vous priez pour moi pour, concernant ma vie professionnelle et mes finances. Les finances de ma famille, franchement, ça ne va pas du tout. D'accord. Pendant que tu as demandé que je prie pour toi, j'ai vu dans mon esprit un document qu'on doit te remettre. C'est comme si c'est l'État français qui doit te remettre ce document-là. Amen. Voilà, c'est comme les documents, comme des trucs de séjour et autres, tout, des régularités en fait, sur le territoire français. C'est comme une procédure. Amen, merci. Comme des naturalisations, merci, des naturalisations et autres, tout. Et le Seigneur te donne ce que tu lui as demandé, que ce travail te soit accordé. Après cette prière, Amen, tu expérimenteras la puissance de Dieu, Amen, et tu travailleras ses faits. Je prends un autre appel. Allô, allô? Shalom, papa. Shalom. Bonsoir, vous allez bien? Ça va très bien, merci. D'accord. Alors, moi, j'aimerais que vous priez pour moi pour l'abondance. Pour l'abondance? Oui, l'abondance. L'abondance. L'abondance financière, l'abondance dans quel domaine? L'abondance financière. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui n'a pas changé. Il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la prospérité soit votre partage en abondance. Au nom de Jésus, que les chaînes de pauvreté soient brisées dans votre vie, dans le nom de Jésus. Je viens briser toute forme de limitation et toute forme d'autel de condamnation qui parle contre votre vie et qui vous limite. Ainsi j'ai prié, amen. C'est fait. Je prends un autre appel. Allô, allô? Allô, bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, je vous reçois. Papa, pardon, toutes les relations que j'essaie de créer n'aboutissent pas. Là, je viens d'avoir une relation avec mon petit ami, on s'est séparés et j'ai déjà 30 ans. Tout le temps, c'est comme ça. Tu me suis depuis où, à Libreville? Oui. D'accord. Est-ce que tu me reçois? Oui. D'accord. Si tu es à Libreville, il faut passer me voir samedi à partir de 15h. J'ai quelque chose à te dire. D'accord. Mais je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que si tu as des relations, mais ça n'aboutit pas, tu dois comprendre que là, il y a un esprit d'échec. C'est pas normal. Il y a un problème. Il y a un esprit d'échec. Hein? Dans le domaine marital. Est-ce que les gens aussi se marient facilement chez vous? Non. Voilà. Je brise l'échec là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que ta prochaine relation marchera. Je parle comme prophète. Je libère cette parole sur toi. Et le ciel rentre en accord avec ma parole. Amen. C'est fait. Je prends notre appel. Allô, allô, allô? Allô? Oui, allô, papa? Nous vous recevons. Allô? Oui, oui, je vous reçois. Oui, papa, priez pour mon ventre. J'ai très mal au ventre. Je prie pour ton ventre au nom de Jésus. Je commande à cette douleur de se calmer. Et de cesser par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth. Je vais depuis la source. Il faut faire attention. J'entends parler de vos problèmes de femmes, là, des fibromyomes, là. Il faut faire attention. Hein? Vous êtes à Libreville? Oui, papa, ça m'étouffe. Passe me voir, ça me dit en tout urgent. Tu viens avec deux bouteilles d'eau, je vais prier pour toi sur place, à 14h. D'accord, papa. Amen. C'est fait au nom de Jésus. Je prends un autre appel. Amen. Allô, allô? Shalom. Je voulais une prière pour mes études. Ok. Oh, merci. Parce qu'effectivement, je t'ai vu dans mon esprit, tu passais un examen. C'est fait. Je proclame que toute forme d'échec sur toi, Mara. Parce que j'ai vu qu'il y a eu un retard. Il y a eu un retard. Il y a eu un retard. Il y a eu un retard. La première et la seconde. Je vois un retard spirituel. Et l'Esprit de Dieu est en train de dire... tu vas rattraper ce retard-là par la victoire à ton baccalauréat. Et toute forme d'esprit d'échec est déjà neutralisée par la puissance du nom de Jésus. Dieu te donne la victoire et la supériorité. Si j'ai prié, c'est fait. Au nom de Jésus. Je prends un autre appel. Allô, allô, allô? Oui, allô, papa? Je vous reçois. Je vous reçois.
On prend un autre appel. Allô, allô? Oui, bonsoir, papa. Bonsoir. Oui, j'aimerais que vous priez pour moi, pour l'abondance financière et pour mon examen que je passerai cette année. Vous passerez votre examen cette année? BTS. Je prie au nom de Jésus, Maradaba. Je vois, je ne sais pas, je vois comme il y a un nom sur une liste, mais après on supprime. Qui est Carla? C'est moi, papa. Bon, je remets ton nom au nom de Jésus. C'est fait, tu as gagné. C'est fait. Passe samedi me voir à l'église à 14h. C'est fait. Je prends un autre appel. Allô, allô? Shalom, papa. Shalom. Vous travaillez déjà dans un endroit, mais jusqu'alors, il n'y a pas de salaire. Oui. Bon, je proclame au nom de Jésus-Christ Nazareth. La Bible déclare, l'homme mangera la sueur de son front. Père, je prie que ta parole s'accomplisse, Seigneur, dans la vie de ta servante. Et je déclare, Seigneur, qu'elle puisse avoir un emploi stable, là où elle sera mieux et bien rémunérée. Seigneur Père, je viens aussi déclarer qu'il y a une ouverture qui va l'amener à créer ses propres affaires et ses propres entreprises. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, c'est fait. Je prends un autre appel. Allô, allô, allô? Oui, allô, bonsoir, papa. Bonsoir. Papa, j'aimerais que tu pries pour moi par rapport au travail. Je ne sais pas, mon travail, chaque fois que je travaille, après, on m'enlève toujours, on ne comprend pas. Et là, je suis au chômage, mais j'ai déposé les dossiers quelque part, mais depuis là, j'attends qu'on m'appelle. Je n'ai pas encore reçu d'appel. Là où tu as posé les dossiers, je proclame au nom de Jésus-Christ Nazareth. Maradabaya. Prenez un dossier, allez-y poser ça à CETRAC. Amen. Allez-y poser le dossier là-bas. Vous êtes où, à Libreville? Non, je suis à Lozo, à Lastouville. Où, à Lastouville? D'accord. Oui. On n'a pas encore de représentation à Lastouville, sinon je vous aurais orienté. Ce que vous allez faire, vous allez prendre du sel, vous allez prier avec ça, vous priez avec du sel et vous proclamez que ce sel-là, c'est la saveur de Dieu. Et vous allez vous laver avec ça très tôt le matin. Très tôt le matin, vous vous lavez. Après, vous prenez votre dossier, vous allez aller poser dans la société. Ce qui veut dire que toute influence négative qui est autour de vous, qui vous poursuivez, ces influences-là vont être effondrées par la puissance de Dieu. Je prends un autre appel. C'est fait au nom de Jésus. Allô, allô? Allô, papa? Oui, 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 je vous reçois. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, papa, j'aimerais que vous priez pour moi. Oui. Je suis en train de suivre une procédure pour aller à l'étranger. Oui. Maintenant, je veux que vous priez afin qu'on accepte mon dossier. D'accord. Pendant que je parle avec vous, je ne sais pas. Il faut demander à votre famille qui est au Diba. Hein? Il faut aller demander ça à la famille. Vous demandez. Ce n'est pas vous. Vous demandez à la famille. Est-ce que vous m'entendez? J'ai dit, allez-y, demandez à la famille ce nom-là. Hein. Ils vont vous dire qui était cette personne. C'est qui le nom, papa, s'il vous plaît? Odiba. C'est mon nom de famille, papa. Donc, Odiba, que je suis en train de parler là, c'est même vous. Oui. Donc, vous voyez que Dieu ne ment pas. Dieu parle, même à distance, il connaît les noms. Même à distance, Dieu peut parler des choses cachées, des choses extraordinaires. Alors, je prie pour toi parce que j'ai vu un grand blocage revenir de ce côté. Et l'Esprit de Dieu me donne même les détails. Je décrète et je prophétise que cela soit rendu nul et sans effet. Que toute forme de fardeau et de malédiction qui pesait sur ce nom. Vous êtes à Libreville? Oui, papa. Passez me voir samedi à 14h. C'est d'accord. Urgent. Que Dieu vous bénisse. Je prends un autre appel. Allô, allô, allô? Allô. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous reçois. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. De sorte que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse toucher mon cœur, de sorte que je l'accepte comme Seigneur Sauveur. Wow! Pour moi, c'est la plus grande, la bonne nouvelle que je viens de recevoir ce soir. Un homme qui appelle pour accepter Jésus. Je prie au nom de Jésus que le salut vous soit accordé. Je prie que vos péchés vous soient pardonnés au nom de Jésus. Je déclare, celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus sera sauvé. Et je prie pour toi. Je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ Nazareth, parce que tu as appelé avec foi, que tu reçoives aussi ton miracle avec foi dans le nom de Jésus. Je libère la grâce et je proclame que tu es désormais un membre du royaume de Dieu. Et tout ce qui te retenait en captivité dans le monde vient de te libérer. Ainsi j'ai prié. Amen. C'est fait. Je prends un autre appel. Allô, allô, allô. Allô, papa? Oui, je vous reçois. Allez-y. Papa,
Oui, dans quel domaine exactement? Dans les études. Père, je prie, Seigneur Père, pour ta servante dans le domaine des études. Je décrète et je déclare, Seigneur Père, que ma voix retentit comme étant, Seigneur Père, ta voix. Et je déclare, parce que tu as dit en Jérémie chapitre 23, 29, ma bouche n'est-elle pas comme un feu dévorant et comme un marteau qui brise le roc? Je déclare, Seigneur Père, que les paroles qui sortent de cette bouche soient un marteau qui brise le roc de l'échec dans le domaine des études. Et je proclame que ta servante va réussir. Toute forme d'échec est chassée et bannie loin d'elle. Ainsi, j'ai prié, je dis Amen. Je prends un autre appel. Allô, allô? Allô? Ok. Je prends un autre appel. Allô, allô, allô? 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 Oui, parlez plus fort, je vous reçois. Bonsoir, papa. Bonsoir. J'aimerais que vous priez. Comment vous vous appelez? Nathalie. D'accord. Vous appelez depuis où? Libreville? Oui. Ok, vous voulez que je prie pour vous dans quel domaine? Sur le plan spirituel et professionnel. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ Nazareth, sur le plan spirituel et professionnel. Je proclame et je déclare que Dieu qui n'a pas changé puisse vous donner une stabilité spirituelle, une stabilité professionnelle. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Amen, c'est fait. Amen. Je prends un autre appel. Allô, allô, allô. Shalom, papa. Shalom. C'est ma... C'est Fazi, ma tante de Bafindi, papa. Oui. Je vous appelle là pour dire que je suis hospitalisée au CHU d'Obendo. J'ai eu une crise du côté de Port-Jean qui donc m'a envoyé ici. Tu as eu une crise du côté de Port-Gentil, on t'a envoyé ici à Libreville. Je suis ici à Libreville, papa. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est vrai, papa. Donc au CHU de d'où? D'Obendo, là. D'Obendo, à quel demain je passerai. Tu me donneras juste le nom de la salle en inbox. Que, non, en inbox. Ne donnez pas ça ici parce qu'on ne connaît pas les intentions de tout un chacun. Oui, papa. D'accord. Donnez-moi son inbox demain. Par la grâce de Dieu, j'ai un temps libre. Je passe vous voir. Je vais mettre ça en priorité. Père, je prie pour ta servante, Matondo Ephrasie. Je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ et Nazareth, Seigneur Père, que ta servante soit restaurée immédiatement. Seigneur, là où elle est malade, elle est sur celui d'hôpital. De la même manière, Seigneur Père, que tu as guéri la fille de Jairus. Tu l'as fait quitter de son lit là où elle était alitée. Seigneur, fais-le de même pour elle. Ainsi, je déclare la guérison et la vie. Amen. Je prends un autre appel. Allô, allô, allô. Allô. Je prends un autre appel. Allô, allô, allô. Allô. Oui, je vous reçois. Allô, bonsoir. Bonsoir. Ne cherchez pas à vous écouter. Je prends un autre appel. Allô, allô, allô? Oui, allô? Oui, je vous reçois. Oui, bonsoir, papa. Bonsoir. Oui, j'aimerais que vous priez. Comment vous vous appelez? Vous me suivez d'où? Je m'appelle Mariska, je suis depuis le Gabon. Vous me suivez depuis le Gabon? Oui. Ok. Oui. Pendant que je parle ici, il y a une personne qui est sur Facebook. Dieu t'a dit appel, mais tu as hésité. Dieu t'a dit appel, mais tu as hésité. Je te vois dans le domaine, tu fais la pâtisserie. Je vis la pâtisserie. Je ne parle pas de la personne qui m'appelle. Hein. Je parle d'une personne qui était prête à m'appeler. Tu fais dans le domaine de la pâtisserie. Mais il faut chercher à appeler. Oui, madame, je vous reçois. Allez-y. J'aimerais que vous priez pour moi. Oui. Par rapport à mon travail. Je prie pour vous par rapport à votre travail. Je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu vous ouvre des portes professionnelles et que la stabilité professionnelle soit votre partage. Au nom de Jésus, vous sortirez avec un témoignage. Ainsi, j'ai prié. Amen. C'est fait. Oui, allô? Allô? Oui, je vous reçois. Je voulais parler au prophète, s'il vous plaît. Il est là avec vous. Voilà, on a le sujet de prière. Oui? Je voulais qu'il prie pour nos études et il prie pour nos clients parce que ça ne va pas. Votre maman ne va pas, elle est malade? Oui, elle est malade. Ok, il faut demander à maman, il faut lui demander qu'il s'appelait Tigana. Tigana, hein? Tigana? Oui. Je
Père, je prie pour la mère de ses enfants. Je décrète et je déclare là où elle est malade, par le canal de ses enfants qui ont eu la foi, qu'elle soit restaurée, complètement restaurée immédiatement, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Et que toute forme d'échec, toute forme de malheur, Seigneur, contre la vie de leur maman, soit annulée et détruite. Ainsi, j'ai prié. Amen. Je prends un autre appel. Allô, allô, allô? Oui, je vous reçois. Bonsoir. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Oui, je dis, je veux que vous priez pour moi par rapport à mon projet de voyage. D'accord. J'ai parlé tellement de mon entreprise parce que j'avais assez de moyens à l'époque. Je dis, ce n'est pas moi qui peux la rassembler les fonds qu'il me faut pour voyager. Vous êtes à Libreville? Passez me voir samedi à la réception. Père, j'ai prié pour ta servante au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que toi seul, Père, suscite un support comme à ce temps où elle pouvait obtenir des visas passés sans entreprise facilement. Que toi seul, tu suscites un support, Seigneur Père, qui lui permettra de rentrer en possession de son visa et de pouvoir aller là où elle souhaite aller. Je décrète et je déclare que les portes soient ouvertes et que tu reçoives ce voyage dans le nom de Jésus-Christ Nazareth et que tout esprit d'échec soit voué à l'échec dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ Nazareth et que la puissance de Dieu soit avec toi. Ainsi, j'ai prié, je dis Amen, c'est fait. Je prends un autre appel. Allô, allô, allô? Allô, papa? Oui, je vous reçois. Allô, bonsoir, papa. Bonsoir. Allô? Je vous reçois, bonsoir. Allô? Oui. Allô? Je crois qu'il y a un problème. Parce qu'il y a des personnes qui font les appels normaux, donc ça déconne. Allô, 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 je vous reçois. Allô? Oui, oui. Allô? Allez-y. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. J'appelais à propos de mon document. Oui. Mon passeport depuis des années, c'est pas sorti. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que ton passeport est libéré. Ce passeport-là va sortir par la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, peu importe là où ce passeport a été retenu, peu importe où ce passeport a été bloqué, si tu as la foi au nom de Jésus, je crois que ce passeport est déjà débloqué. Amen. C'est fait. Je prends notre appel. Allô, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Je m'en sujet sur les finances et ma vie spirituelle. Les finances et la vie spirituelle. Je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth que votre vie spirituelle soit restaurée et que vos finances soient restaurées par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth et que Dieu puisse restaurer aussi votre financement dans le nom de Jésus. Je crois que par la puissance de Dieu, Dieu a dit « et l'or et l'argent lui appartiennent ». Je crois par la foi au nom de Jésus-Christ Nazareth que Dieu vient de restaurer vos finances et votre vie spirituelle. Ainsi soit-il. Amen. Je prends un autre appel. Allô, allô, allô? Oui, allô, papa. Oui, je vous reçois. Allô, papa. Allô, je vous reçois. En fait, les appels WhatsApp ne peuvent pas passer, désolé. Parce qu'en même temps, je reçois des appels normaux, donc du coup, ça bloque. Oui, allô. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, je vous reçois. Que vous priez pour moi, s'il vous plaît. Oui, que je prie pour. Oui, 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 allez-y. Je prie au nom de Jésus-Christ Nazareth, ton crédit s'est coupé, que tu sois guéri et que tu sois restauré miraculeusement par la puissance du nom de Jésus. Amen, c'est fait. Je prends un autre appel. Allô, allô, allô? Allô? Oui, je vous reçois. Oui, bonsoir. Bonsoir, parlez plus fort, s'il vous plaît. Oui, papa, j'aimerais que vous priez pour moi, mes études. Oui? J'aimerais que vous priez dans le domaine de mes études. Père, je prie pour ta servante dans le domaine de ses études. Je décrète et je déclare que tout problème auquel elle est confrontée, tout blocage, toute forme de malédiction, toute forme d'échec, par la puissance du nom de Jésus, soit détruit et voué à l'échec. Au nom de Jésus, je déclare que tu es libre dans tes études et dans ce que tu fais, la puissance de Dieu avec toi. Amen. Je prends un autre appel. Allô, allô, allô? Allô, je vous reçois. Oui? Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais que vous priez pour moi et ma vie.
et sur mes enfants. Je prie pour vous au nom de Jésus. La Bible déclare, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je proclame au nom de Jésus que ta maison soit une maison de prière, soit une maison qui soit au service de Dieu, et toute forme d'échec, toute forme de malheur dans ta maison soit pliée par la puissance au nom de Jésus, c'est soumettre à l'obéissance de Dieu. Je prie pour tes enfants au nom qu'ils sont, et je décrète et je déclare que vous êtes serviteurs de Dieu. Amen, c'est fait. Je prends un autre appel. Allô, allô, allô. Allô, je vous reçois. Allô, bonsoir, homme de Dieu. Madame Elvi Mabaka, cherchez à me contacter en inbox. Juste après mon live, laissez-moi un message en inbox. Oui, je vous reçois. Allez-y. Allô, bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, monsieur. Oui, je m'appelle Mokandi Herman. Oui. J'aimerais que vous priez pour moi. Je suis en train de essayer d'ouvrir un projet sur une livraison de motos. J'ai envie d'acheter des motos. Oui. J'aimerais que vous me priez pour ça, vous me dans la prière. Père, je prie pour ton serviteur, M. Herman. Seigneur, voici son projet. Tu déclares dans ta parole que l'homme a des projets, mais seul l'Éternel en décide. Je prie, Seigneur Père, que ce projet soit ton projet, puisque ton serviteur est venu te le recommander. Je déclare, Seigneur Père, que les portes soient ouvertes. Seigneur, facilite-le, Seigneur Père, dans les démarches administratives. Facilite-le, Seigneur Père, dans les démarches douanières. Je prie au nom de Jésus-Christ Nazareth que tout se passe par ta volonté. Ainsi j'ai prié. Amen. Je prends un autre appel. Allô, allô. Allô. Oui, allô. Je vous reçois. Allez-y. Oui, je viens, papa, pour que vous priez pour ma restauration financière. Comment vous vous appelez? Hein? Comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Allô? Hey. D'accord. J'ai prié au nom de Jésus-Christ Nazareth pour votre restauration financière et que le Dieu qui n'a pas changé puisse accomplir de grandes choses avec vous. Si j'ai demandé comment vous appelez, parce que j'ai vu le Seigneur est en train comme d'accomplir un grand miracle dans votre vie. Ça va se passer comment? Parce que pendant que vous avez dit, vous compris pour votre travail et pour votre restauration financière, spirituellement, j'ai vu, vous ne travaillez pas. Je vous ai vu à la maison et j'ai vu dans mon esprit comment il y avait comme une rupture des contrats avec, je ne sais pas, je vois quelque chose qui est lié à Dax. Je vois quelque chose qui est lié à Dax. Amen. Vous avez une rupture des contrats avec eux? La recette qui a été mal faite, papa. Ok, est-ce que vous travaillez toujours à Dax? Non. Donc, vous êtes retraité d'Adax. C'est pourquoi je dis, je ne vous vois plus travailler. Donc, je vois dans mon esprit une rupture. Cette rupture-là a fait en sorte que vous, on a mal calculé vos droits. Et donc, même au sujet des prières, là, c'est parce que vous avez besoin qu'on paye totalement votre argent. Amen. C'est fait au nom de Jésus. Si Dieu m'a révélé ça, c'est que c'est fait. Au nom de Jésus. Je prends un autre appel. Allô, allô? 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 Je vais essayer de prendre un appel sur WhatsApp. Allô, 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 sur WhatsApp. Est-ce qu'on me reçoit? Allô? Allô, pasteur? Oui, vous me recevez? Oui, je vous reçois. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, je reçois votre sujet de prière. Pasteur, je voudrais que vous priez à propos de mon business et à propos de mon famille et à propos de mes études. D'accord. Après, il faut me contacter en inbox parce que je vais vous parler de quelqu'un qui est dans l'armée autour de vous. Dans l'armée. Plus précisément dans la police. Pardon? Mais je prie au nom de Jésus-Christ Nazareth pour votre business, pour ce que vous êtes en train de mettre sur pied. Je déclare que la réussite soit votre partage, que tout ce que vous faites puisse vous réussir, puisse réussir dans vos mains. Au nom de Jésus, ainsi soit-il. Amen. C'est fait. Je prends un autre appel rapidement. Allô, allô? Allô? Oui, rapidement, votre sujet de prière. Oui, je voudrais que vous priez pour mes études. Oui. Oui, prophète, priez pour mes études. Je prie au nom de Jésus que Dieu t'apporte un soutien, un secours dans tes études, que tout ce que tu fais puisse réussir au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je crois au Dieu Tout-Puissant qui n'a pas changé. Je crois au Dieu Tout-Puissant qui est merveilleux et que ce Dieu te fasse grâce au nom de Jésus-Christ Nazareth de réussir. Peu importe là où tu es confronté, peu importe les difficultés auxquelles tu fais face, que Dieu t'envoie des anges pour t'apporter assistance. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen, c'est fait. Alors, je prends un autre appel. Allô, allô? Allô, pasteur.
Allô? Mon fils compte 10 appels, j'arrête. Là, c'est fort. Allô, allô, je vous reçois. Allô? Allô, allô? Allô? Oui, allô? Je vous reçois. Votre sujet de prière. Bonsoir, prophète. J'aimerais que vous priez pour ma restauration professionnelle et financière. Mon fils, j'ai l'impression que TikTok s'est arrêté. Viens d'abord voir. Ça me met déjà les problèmes de température. Donc, le portable chauffe. Même à cause des appels, le portable chauffe. Donc, je prie pour vous, pour votre réussite, donc quoi? Professionnelle et financière. Professionnelle et financière. Je décrète au nom de Jésus réussite professionnelle. Je décrète réussite financière dans le nom de Jésus dans ta vie. Et je déclare au nom de Jésus que dans ce que tu fais, là où tu travailles, que la réussite soit avec toi, que tu puisses réussir, que là où tu poseras tes pieds, que la faveur et la grâce puissent te localiser par la puissance au nom de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. C'est fait. Amen. On prend un autre appel. Deuxième appel. Oui, allô, 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 je vous reçois. Bonsoir, papa. Bonsoir. Papa, j'appelle pour vous prier pour moi, papa. Oui. J'ai un souci au niveau du ventre. J'ai du mal à attraper des retards, papa. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Dieu est capable de tout faire. Et je décrète et je déclare que la puissance de Dieu puisse traiter tes entrailles. Que Amen. Tout ce qui est négatif au niveau de tes entrailles, tout ce qui est dans tes trempes, tout ce qui est dans ton utérus, par la puissance du nom de Jésus, c'est une maladie. Que tu reçoives la purge spirituelle pour retirer Amen. Et enlever complètement, totalement toutes ces maladies. Et que Dieu Amen. Te guérisse. Que Dieu te restaure. La Amen. Prochaine fois que tu vas connaître ton mari, tu seras enceinte. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et la Amen. Puissance de Dieu te couvrira de son ombre, en fait que jusqu'au 9e mois, tu puisses mettre au monde sans problème. C'est fait au nom Amen. De Jésus. Amen. Amen. Amen, papa. Ça continue toujours sur TikTok, là. Le portable chauffait déjà sur TikTok. C'est pas possible. Allô, allô, allô. Troisième oui, appel. Allô, bonsoir, Lys, j'arrête. Bonsoir, je vous reçois votre sujet de prière. Mon sujet de prière, c'est que ça fait 2 ans de cela qu'on m'a découvert avec hyperthyroïde. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saïda, Laïda Vedebe, Sipaya Labas. Autour de vous, il faut chercher qui est au Kawe. Vous m'entendez? Oui. Hein? Oui. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il faut chercher qui est au Kawe. Autour de vous. Oui. Hein? Non, ça me dit. Mais voilà. Il faut chercher qui est au Kawe autour de vous. Là, vous cherchez seulement qui est au Kawe. Oui. Quand vous allez trouver, vous venez me dire son inbox. Je vais prier pour cette personne parce qu'il sera une source de bénédiction pour vous. Je prie pour votre requête. Au nom de Jésus, je le déclare comme prophète. La Bible déclare, Dieu accomplit la parole de ses serviteurs, les prophètes. Je déclare au nom de Jésus-Christ Nazareth que le Seigneur puisse accomplir ce qui sort de ma bouche en ta faveur. Réussis maintenant dans tous les domaines de ta vie. Réussis maintenant dans tout ce que tu fais. Réussis maintenant que tes mains puissent réussir. Et que le sujet que tu as semé soit exaucé. Ainsi j'ai prié. Amen. C'est fait. Amen. Je reçois le 4e appel. Il reste 6 appels. Allô, allô, je vous reçois. Allô, bonsoir, papa. Bonsoir. Bonsoir, papa. C'est un bon mot. Oui. Ne cherchez pas à vous écouter par votre deuxième appareil, s'il vous plaît. Ok, papa. Parlez plus fort et rapidement, s'il vous plaît, nous sommes impartis par le temps. Papa, j'aimerais que vous priez pour moi. Oh. Papa, j'aimerais que vous... J'ai pris pour quoi, s'il vous plaît? Donnez le sujet, soyez un peu précise. Papa, j'ai passé le concours de la police là, mais jusqu'alors... Maman, c'est le problème de la police là, que tu amènes ici sur mon live. J'ai pris au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est fait. Que Dieu aussi exauce toutes les personnes qui sont confrontées. C'est un problème national en fait. Que Dieu aussi touche la vie de toutes les personnes qui sont confrontées à ce problème. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi j'ai prié. Amen. Je prends notre appel. Allô, allô? Allô? Oui, je vous reçois. Bonsoir, papa. Bonsoir. Je voudrais que vous priez pour moi, pour l'emploi. Et puis j'ai ma soeur qui est paralysée depuis ça fait déjà plus d'1 an. Donc, vous ne travaillez pas? Non. D'accord.
Vous avez un master 2, vous ne travaillez pas. Vous êtes à Libreville? Oui. Passez me voir ce samedi. Passez me voir ce samedi. Vous avez des parents malades. Le prophète dit que passez en réception. Vous ne venez pas? Ouais. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que se déplace, c'est l'Ambaréné? Si on disait que l'Onganga était au Congo, il devait aller. Maintenant, on dit que le prophète est juste à Libreville. L'Ambaréné est Libreville. C'est pas loin. Hum? Ma fille. Donc, il faut tout faire pour dire à la famille de déplacer, on va prier pour elle. Elle ne peut pas rester comme ça un an de maladie. Non, 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 elle ne peut pas rester comme ça. Je crois que Jésus peut la guérir. Je crois que Jésus peut guérir. Hein? Tu crois à ça, non? Tu crois que Jésus peut guérir? Ta soeur, tu crois que Jésus peut guérir? D'accord. Alors, je prie au nom de Jésus. Tu es master 2 et tu es assis, ce n'est pas normal. Tu n'as pas appris pour t'asseoir. Tu as souffert pour un but. Tu t'es fait former pour un but. Elle déclare, l'homme récolte ce qu'il sème. Comment quelqu'un qui a semé l'apprentissage de quelque chose, d'un métier, puisse récolter le chômage? Ça n'a pas de sens. Alors je déclare, certainement tu as semé et quelqu'un d'autre a récolté à ta place. Quiconque travaille à ta place, quiconque travaille avec ton énergie, par la puissance du nom de Jésus, soit terrassé de la même manière qu'Hérode a été terrassé. En Actes chapitre 12, partie du verset 23, je déclare que tout Hérode de ta vie qui travaille à ta place, qui s'est reçu à ta place, soit terrassé de même. Ainsi j'ai prié. Amen. C'est fait. Amen. Allô, allô? Allô, je vous reçois. Bonsoir. Bonsoir. Mon sujet de prière, c'est... En fait, j'ai déposé un dossier au niveau de la BUAC, le 19 janvier. Vous êtes à Libreville? Je suis en train de voir quelque chose sur ce dossier, mais ça a caractère privé. Passez me voir samedi 14h au niveau de l'église. Prenez-moi juste le jus des raisins. Je vais faire un travail avec vous. D'accord. J'ai pris au nom de Jésus pour ce dossier qui est au niveau de la BAC, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu puisse toucher les cœurs des personnes qui ont ce dossier à main, afin de traiter le plus rapidement possible ce dossier. Et que tu puisses te réjouir de la grâce de Dieu. Bénéficie de la grâce de Dieu. Reçois juste la grâce de Dieu. Reçois juste la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui peut limiter la grâce de Dieu? Qu'est-ce qui peut se poser comme obstacle à la grâce de Dieu? Que la grâce de Dieu soit ton partage. Ainsi je le déclare. Je prends un autre appel. Allô, allô, allô? Allô? Allô, papa? Je vous reçois. Votre sujet de prière. Bonsoir. Bonsoir. Et papa, j'aimerais que vous priez pour mon ventre. J'ai du mal à enfanter. Depuis combien de temps? Ça fait plusieurs années, papa. Est-ce que vous êtes marié? Je suis fiancée. Vous êtes fiancée? Mm. D'accord. Ok, posez la main sur votre ventre. Père, au nom de Jésus-Christ Nazareth, voici ta servante. Ta servante qui est fiancée. Seigneur, aide ta servante, Seigneur Père, et son époux à concrétiser des choses jusqu'à la fin. Jusqu'au mariage coutumier, au mariage civil. Mais surtout, souviens-toi aussi de leurs entrailles. Seigneur Père, car tu as dit dans ta parole, dans mon royaume, il n'a pas de stérile. Je prie, Seigneur Père, que tout esprit de stérilité, Seigneur, dans la vie de ta servante, soit chassé et ne trouve plus jamais sa place. Ainsi, je le déclare en tant que prophète. Je dis Amen, c'est fait. Amen. Je prends un autre appel. Allô, allô? Allô? Oui, allô? Oui, monsieur, je vous reçois. Oui, shalom, papa. Shalom. Oui, j'appelle pour le direct. Allô, c'est pas mon direct. Oui, oui. Ne cherchez pas à vous écouter. Parlez directement ici, on vous reçoit ici. Oui, ok, papa, oui. On a un dossier pour le voyage, donc on aimerait que vous priez parce qu'on attend un résultat sur ça pour le Canada. D'accord, vous attendez un résultat sur ça pour le Canada. Et c'est depuis combien de temps? C'est depuis l'année passée. Depuis l'année passée. Père, souviens-toi de ce monsieur et de toutes les personnes, Seigneur, qui sont jointes dans ce dossier. Je décrète et je déclare. Tu as dit dans ta parole, dans le livre de Deutéronome, chapitre 29, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Tu as dit à Abraham de quitter la maison de son père parce que toi, ce que tu devais être, son approvisionnement en chemin. Même quand Abraham est passé par le désert, tu étais avec lui. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu fais de même grâce à ton serviteur. Que tu fasses grâce, Seigneur Père, d'obtenir, Seigneur, ce visa pour le Canada. Ouvre les portes à ton serviteur pour le Canada, afin qu'il rende témoignage à ton nom. J'ai prié et Dieu m'a fait du bien. Que Dieu te bénisse, c'est fait. Amen. Amen.
Allô? Oui, bonsoir, prophète. Bonsoir. Oui, je voulais que vous priez pour ma fille. On l'a fait la césarienne depuis Mwanda. Ça a compliqué. On l'a touché la vessie. On l'a évacuée sur Libreville. Elle porte maintenant les couches. Donc, depuis là, on va encore l'opérer. Mais depuis là, le docteur ne nous a pas encore reçu. Ça fait 2 semaines. L'histoire de que les médecins, vraiment, moi, l'histoire, je ne comprends pas. On l'a opéré à Mwanda. Oui, à Mwanda. Oui, on l'a touché la vessie. On a, donc, l'opération s'est mal passée, on a touché la vessie. Voilà, on l'a évacué sur Libreville. En évacuant sur Libreville, là, elle n'arrive plus à marcher. Non, elle marche. Quand on est à l'hôpital, on nous a demandé de faire les bilans, on a fait tout, tout, tout. Parce que vous avez dit qu'elle marche avec des couches, là, elle porte des couches. Oui, les pipis sortent n'importe comment. Oh. Masobuka. Et Massova, comme disent les Nzebi. Donc ça sort n'importe comment comme ça. Oui, elle porte les couches. Parce que la vessie était touchée. Voilà. C'est pas possible. Vraiment que Dieu touche vraiment la vie de nos médecins. Que Dieu touche vraiment tous nos médecins. Parce que, à Port-Gentil, là-bas, il y a un chirurgien qui a oublié une paire de ciseaux dans le ventre de quelqu'un. C'est vraiment que Dieu touche, que Dieu touche, que Dieu touche. J'ai pris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare au nom de Jésus, Parazafai Kadababas, Lebrobosh Kadabaya. Seigneur Père, que cette âme soit guérie là où elle est, là où sa vessie a été touchée. Seigneur, je te supplie. Je te supplie. Je t'en supplie, Seigneur Père, que cette vessie ne s'infecte pas. Seigneur Père, passe par les médecins. Suscite un médecin. Parce que toi-même, tu es le médecin par excellence. Seigneur Père, si tu ne veux pas le faire, parce qu'il y a beaucoup de travail dans le royaume. Seigneur, envoie un ange, car tu es capable. Tous les hommes te sont soumis. Envoie un médecin spécial pour traiter la vie, Seigneur Père, de cette servante. Et qu'elle sorte de là, idem, par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth. Ainsi j'ai prié, amen. Amen. Je prends un appel sur WhatsApp. Allô, allô, allô. Allô. Oui, je vous reçois. Allô. Allô, vous me recevez? Mais vous me recevez, s'il vous plaît. Bon, apparemment, il y a un problème. Il y a un problème, je n'arrive pas à prendre. Oui, allô, vous me recevez? Allô? Excusez, je crois qu'il y a un problème. Il faut passer l'appel normal. Il reste combien d'appels? Deux appels. OK. Voilà. Dieu faisant, il n'y a plus des appels. Voilà, le réseau a disparu, mon fils. Le réseau a disparu seul. Tellement la ligne, vous voyez, mon portable, là où doit... Ah, il y a des appels encore, c'est fort. Allô, allô? Allô? Ok, je prends un autre appel. Allô, allô, allô? Allô? C'est pas possible, il y a un problème des réseaux. Allô, est-ce que vous me recevez? Oui, votre sujet de prière, s'il vous plaît. Oh, mon Dieu. Il y a tellement des appels, on n'arrive pas à prendre tout le monde. Allô? Oui, votre sujet de prière, allez-y. Je veux vous prier parce que j'ai un problème de fertilité. Ça fait 13 ans. Vous êtes à Libreville? Non, je suis en France. Vous êtes en France. Est-ce que vous êtes prête, Léa, pour le programme? Juillet, je suis là-bas. Il faut laisser votre message WhatsApp pour votre billetterie. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ Nazareth. À la 14e année, je le déclare en tant que prophète, vous serez maman au nom de Jésus. Vous donnerez à votre enfant le nom de Samuel. Si c'est une fille, vous donnerez Samuela. Ainsi parle l'Éternel. Après ces 13 années, la 14e année sera une année de réjouissance. Une année de célébration. Une année de célébration. Une année où vous allez vous réjouir de toutes les douleurs que vous avez eues dans votre passé. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Je reçois. Envoyez-moi l'invitation. Je prends un dernier appel. Allô, allô? Je prends encore un appel ici. Allô, allô? Je vous reçois. Shalom, papa. Shalom, soyez bénis. Amen. Désolé, papa. Il pleut ici. Je voulais juste que vous priez pour ma santé, pour le mariage.
D'accord. Je prie pour ta santé, je prie pour ton mariage, je prie pour toute force anti-mariage, pour ce célibat qui te poursuit, qui est contre toi, et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu sois libre de toute cette oppression. Ainsi j'ai prié. Amen. C'est fait. Merci. Vous pouvez couper la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé dans la présence de Dieu. Voilà, je vais demander à mon fils peut-être là-bas de n'appeler plus pour le moment, parce que là, j'ai reçu combien d'appels? J'ai reçu plusieurs appels. Voilà. Même vous êtes témoin du nombre d'appels que j'ai reçus. Je suis là avec vous. J'ai reçu plusieurs appels. Je vais vous montrer le nombre d'appels sur WhatsApp. Il y a tellement de personnes qui appellent. Voilà, tellement de personnes qui appellent. Ça m'a même bloqué l'application. Voilà, il y a tellement de personnes qui appellent. Ceux qui sont au Gabon, à Libreville, ou qui avaient des parents, vous pouvez tout simplement envoyer les parents samedi pour la prière, ou se faire recevoir, passer un entretien. Et je vais me charger de prier pour vous, par le canal de vos parents, et mieux vous entretenir. On se retrouve demain, par la grâce de Dieu, à la même heure que je fais le live, et nous allons continuer à prier. Et je crois que Dieu, qui n'a pas changé, le Dieu puissant, se manifestera encore puissamment dans nos vies, fera des grandes choses. Donc demain, par la grâce de Dieu, nous serons connectés. Ce soir, nous étions des milliers de personnes sur les réseaux confondus, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, à prendre part, bien aimé de le Seigneur, à ces temps de prière. Regardez, je veux juste vous montrer une preuve. Vous qui êtes sur Facebook, regardez le nombre d'appels manqués. Regardez, il y a tellement d'appels, vous voyez. Il y a tellement d'appels, c'est des milliers de personnes qui appellent. C'est des milliers de personnes qui appellent, tel que vous voyez, des milliers de personnes. Vous voyez? À non point finir. À non point finir. Vraiment, donc, c'est des milliers de personnes. Vous qui êtes sur, vous qui êtes sur TikTok, voilà, vous pouvez remarquer que c'est des milliers de personnes qui appellent. Donc, l'idéal pour vous, ce serait de passer en présentiel si vous êtes à Libreville. Passons présentiel à l'église, samedi à partir des 14h. 13h même passé pour vous faire enregistrer, afin d'être reçu. Et nous allons prier pour vous. Si vous avez des personnes malades, je prierai aussi pour ces personnes. Sur ce, n'oubliez pas que lundi, nous avons un programme d'une semaine qui va se faire sur Zoom, la plateforme Zoom Cloud Meeting. Il va aussi être rediffusé sur YouTube et Facebook. Et aussi, pour les personnes qui sont en France, le programme va se passer le mois de juillet, donc le 5 et le 7. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit votre partage. Merci pour toutes les personnes qui ont pris part à ce programme. Vous êtes restés jusqu'à l'heure là sur Facebook avec moi pour prendre les appels et recevoir, m'aider à recevoir tous ces appels. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse encore toutes les personnes qui sont restées connectées. Merci aux milliers de personnes qui étaient connectées dans toutes les plateformes confondues ce soir. Et que la grâce et la faveur de Dieu soit votre partage. Ainsi j'ai prié. Passez une très belle soirée. Amen. C'est fait.